Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Ah. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, donc, c'est mieux comprendre le handicap. Bon, bien sûr, pas forcément les handicapés sur fauteuil roulant, mais vraiment tous les handicaps. Quand je dis tous les handicaps, ça peut être des handicaps visibles et invisibles, parce qu'on parle beaucoup, il y en a certains qui ont un handicap et qui ne sont pas forcément visibles. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que, d'ailleurs, Nico, tu as un petit message à passer sur ce sujet ? Au niveau du handicap, tout ça, je te demande pas si tu es victime d'un handicap, mais est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un petit message que tu souhaites transmettre à ce sujet ? Ben les gens qui sont victimes de handicap, ils ont parfois ils sont moins bien considérés. Considérés, moins considérés que, c'est-à-dire que la norme. Il y a pas de norme pour moi, mais que il y a pas de norme pour toi. D'accord. Oui. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est quelqu'un de normal ? Tiens, bonne question. Est-ce que forcément quelqu'un d'handicapé n'est quelqu'un de, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, justement. Est-ce qu'on peut dire ça, Nico? Allô, est-ce que tu m'entends? Non, quelqu'un qui est handicapé, c'est quelqu'un comme les autres. Voilà. Est-ce que tu veux répondre à cette question aussi? Ah, mais de toute façon, moi, personnellement, sur ce sujet, je trouve vraiment intolérable qu'on puisse. Et là, je vais parler dans les transports, et que ça soit partout en France ou même à l'étranger. Dans les transports, c'est infernal. D'accord. Parce que voilà, les gens ne font pas attention aux personnes en fauteuil roulant ou pas forcément en fauteuil roulant. Et ça, c'est... Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez d'où vient le mot handicap ? Parce que c'est vrai qu'on emploie beaucoup le mot, mais finalement, certains ne savent pas le terme handicap, parce que vous savez ce que ça non, veut dire. Pas du tout. Est-ce que tu sais, Nico, d'où vient le terme handicap ? Je pense que ça vient de pendant la guerre. Ah ouh, ça vient d'avant, hein. Ça vient de largement avant, ça vient de 1827, donc ça vient pas du tout de la guerre, pas du tout. Alors je vais expliquer, après vous me direz ce que vous en pensez. Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement causée par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non, menant à un stress et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et voire ou physiques. Le terme du handicap renvoie également aux difficultés de la personne handicapée face à son environnement en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit d'autant autant d'une notion sociale que d'une notion médicale. Ces limitations d'activité et de participation restent variables selon les contextes nationaux ou sociétaux. Alors le handicap, tenez-vous bon, affecte 80 millions de personnes en Europe, et d'après vous, combien dans le monde ? On n'est pas loin des 150. Millions, tu veux dire ? Ouais. Non, pas du tout. Est-ce que d'après toi, Nico, combien il y a de millions de personnes dans le monde qui sont handicapées ? En France, il y en a combien en Europe ? En Europe, je viens de dire 80 millions. Alors, d'après toi, dans le monde, combien ? On est 500 millions, ça ferait... Alors, c'est plus que ça, c'est 650 millions dans le monde entier, voire peut-être 1 milliard. Alors c'est parce qu'en fait c'est une tranche, parce qu'il y en a certains qu'on ne voit pas forcément. Je pense que ça doit être à cause de ça. Donc 1 milliard de personnes selon le rapport mondial sur le handicap de l'OMS et de la Banque mondiale. Alors la prévalence du handicap est estimée à 15% de la population mondiale, et dans 80% des cas il s'agirait de handicap invisible. On en parlera tout à l'heure. Le mot handicap emprunté donc en 1827 vient de l'expression anglaise hand in cap. Alors hand in cap en trois mots, signifiant main dans le chapeau. Alors, est-ce que ça vous parle ? Alors, par contre, essaye de faire attention, s'il te plaît, Nico, parce qu'on entend un souffle dans ton micro.
Est-ce que ça fait bizarre, main dans le chapeau, mais c'est ça, ça vient de ce terme-là. Hand, ça veut dire main. Je suis loin du micro pourtant. Hein. Non, mais il y a un petit souffle derrière, c'est pas grave. Le site officiel de l'OMS définit les handicaps ainsi. Alors, je vais vous dire le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit de ceci que les handicaps sont un terme général qui qualifie des incapacités, une limitation des actes de la vie quotidienne et une participation restreinte à la vie sociale. Ça, c'est ce que dit l'OMS. L'OMS qui mentionne également que le handicap n'est pas simplement un problème de santé. Il s'agit d'un phénomène complexe qui découle de l'interaction entre les caractéristiques corporelles d'une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. Pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées, des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires. Ensuite, l'utilisation des termes handicap et handicapé a dans certaines époques, cultures et pratiques langagières, des connotations négatives, voire injurieuses, malheureusement. Si le terme handicap est d'une utilisation récente, d'autres mots le remplaçaient avant. Les mots personne handicapée et situation de handicap sont venus depuis essayer d'en atténuer le sens. Certains utilisent le terme personne en situation de handicap afin de distinguer la personne des situations de handicap rencontrées dans sa vie. Est-ce que pour vous, la signification est, pour vous, elle est logique? Est-ce qu'elle est, est-ce que, oui, non, non, oui. Main dans le chapeau, ça fait bizarre quand même. Ouais. Hein, c'est, je sais pas ce que... Non, mais je pense que là, la dernière précision, ouais. Oui. Personne en situation de handicap, ouais, c'est plus reconnaissable. Excuse-moi, Nico, t'as un grand souffle sur ton micro. C'est pas pour te dire, mais c'est pas très méchant. Attends, oh là, parce que étant donné qu'il y a la fenêtre, tout est fermé. C'est peut-être pour ça alors, mais bon, c'est bizarre, mais il y a un grand souffle. C'est pas grave. Cédric, est-ce que tu avais parmi nous? Non, Cédric, il va arriver dans deux secondes, je pense. Je pense, parce qu'il vient de se connecter sur Skype. Donc il va pas tarder à arriver. Est-ce que pour vous, le terme handicap, ça va? Vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre un peu plus? Non? Non. Est-ce que vous, pour vous, ce que dit l'Organisation mondiale de la santé est tout à fait exact? Est-ce qu'elle est justifiée, le terme de handicap? Non? Oui, ça peut... Je pense que c'est bien dit. C'est une limitation des actes de la vie quotidienne. C'est tout à fait dit, ah tout oui, à fait bien dit, c'est tout à fait ça. Alors, on va parler des causes du handicap. Logique. Donc, il y a plusieurs formes de handicap. Il y a le handicap moteur, le handicap, vous savez, visuel, auditif. Il y a des handicaps invisibles qu'on en parlera tout à l'heure. Les handicaps d'ordre psychologique, psychique. Voilà. Alors, il y a plein de termes. On va essayer d'en parler. Est-ce que Cédric est parmi nous? Apparemment oui, cette fois. Oui. Ah. Ça va, Cédric? Ça va, tout le monde? Oui, ça va bien. Tranquille. Bon, t'as suivi le début, ça va pour l'instant? Oui, ça va, j'ai suivi un peu le début sur votre site, heureusement. Oui. Bon, voilà, on va continuer. Hein. Est-ce que tu as certaines choses que tu souhaites d'abord dire par rapport à l'introduction? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le terme d'handicap? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te convient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque? Est-ce que c'est tout à fait logique tout ce qui a été dit? Non, tu as bien expliqué, les choses sont dites, voilà. D'accord, ça c'est gentil, bon, ça c'est dit, ça c'est fait, voilà, pourquoi pas, fait, voilà. J'ai mes chevilles qui enflent en même temps, non c'est pas grave, non j'ai dit une bêtise. On va continuer, donc on va parler des causes du handicap, il y a plusieurs causes, hein. Donc d'abord on parle des déficiences. Une déficience, c'est une perte de substance ou altération définitive ou provisoire d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Ce terme dans la traduction française est plus global que celui du trouble, qui n'inclut pas de perte de substance. Alors les déficiences sont des problèmes du corps, des écarts par rapport à la situation normale. Les lésions des structures anatomiques et les limitations des fonctions organiques et psychiques sont diagnostiquées. Elle peut être la conséquence, donc on parle de symptômes, d'une maladie, mais n'est pas la maladie elle-même. Ça va, vous suivez, c'est un peu compliqué, hein. Par exemple, une perte de l'audition peut être la conséquence d'une pathologie. Par exemple, l'otite, les oreillons, ou aussi l'encéphalite. Qui est moins connu. On parle, ça peut être aussi la conséquence d'un traumatisme, mais aussi d'une anomalie génétique et du vieillissement. Eh oui.
Donc une dimension subjective, c'est-à-dire de ce que ressent la personne qui vit des situations de handicap, est ajoutée aux trois autres qui sont la modification du corps, la limitation fonctionnelle et aux obstacles dans la situation de vie. Si les déficiences ont toujours une cause organique ou psychique, elles recouvrent un domaine plus vaste que la notion de trouble ou de maladie, donc une déficience ne doit pas nécessairement être considérée comme une maladie. Elle peut notamment résulter d'un traumatisme d'origine externe comme un accident, l'agression ou la blessure de guerre. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Est-ce que vous avez compris? Ou est-ce que c'est pas tout à fait clair pour vous? Non, si, ça va. Ça va, la déficience, voilà, c'est pas tout à fait... La déficience, c'est vrai que c'est pas facile d'en parler, mais c'est tout à fait ça. C'était place de la Bastille, si je me trompe pas, il y avait des fauteuils roulants. Oui, alors ça c'est encore autre chose, ça. Oui. Essayer, mais c'est, oui, mais c'est pour, ça concerne le handicap. Et j'étais monté dans un fauteuil roulant. Mmh. Il y avait des enfants, tout ça, il y avait beaucoup de trucs. Et moi, c'était sur le plat, et tu sais, je roulais avec c'est pas un fauteuil électrique, j'ai roulé. Et à un moment, il y avait une montée, et le fauteuil roulant, il s'est renversé. J'ai une question à poser, qu'on soit bien clair là-dessus. Est-ce que pour vous, une personne handicapée, c'est uniquement ceux qui sont en fauteuil roulant? Non, ça dépend. Non. T'as d'autres différents termes de, comment dire, handicapés. Justement, on va en parler tout à l'heure, parce que j'aimerais bien qu'on soit clair là-dessus, parce que beaucoup, les handicaps, ils se disent un handicapé, c'est uniquement des gens qui sont sur fauteuil roulant. Non. Il faut être clair là-dessus. Que c'est pas vrai, quoi. C'est pour ça qu'on va essayer de mieux expliquer, mieux comprendre le handicap, parce que il y a encore des préjugés à ce sujet-là, et je pense qu'il va falloir bien expliquer. Et d'ailleurs, qu'est-ce que pour toi le handicap exactement, Cédric? Bah, de toute façon, comme je t'ai dit, il y a différents handicaps, hein. T'as le handicap motrice, c'est-à-dire comme ceux qui sont en fauteuil roulant, comme il explique Nico. Alors attention, handicap moteur, c'est pas forcément sur moteur roulant, sur fauteuil roulant. Non, mais c'est-à-dire motrice, c'est-à-dire par exemple qu'il peut plus marcher, etc. Bon, après, soit qu'il a eu un accident. Bon, après ça s'appelle les motrices. Après, oui. T'as aussi un autre handicap, hein. T'as aussi t'as l'handicap aussi qui est un peu du genre un peu mental. T'as aussi bon, après t'as plusieurs différences, hein. Voilà. Alors, on va essayer de tout expliquer. Donc, je vous parle d'une autre cause aussi du handicap, c'est l'illimitation d'activité. Donc, ce que j'appelle activité, c'est comme par exemple travailler. Vous savez qu'on peut être reconnu handicapé que si on n'est pas restreint au niveau du travail. Je vais essayer d'expliquer, c'est que le domaine du handicap renvoie aux maladies, aux blessures, mais aussi aux troubles psychiques, aux anomalies congénitales ou génétiques, voire aux effets de l'âge aussi, de la grossesse, du mode de vie, comme par exemple l'alcool et le surpoids, qui peuvent entraîner des déficiences ou se surajouter aux effets des déficiences. Par exemple, l'impact d'une déficience motrice sur les possibilités de déplacement pourra être aggravé par une surcharge pondérale. Ça va, vous suivez? Donc ça, c'est un exemple, hein, ce que je vous disais. Donc limitation d'activité, c'est forcément pour ceux qui sont restreints pour travailler, voire qui sont carrément en incapacité aussi de travailler. Ensuite, il y a aussi comme cause l'environnement. Alors ça, c'est beaucoup plus l'environnement, comme pareil. Alors, je vais vous donner un exemple, l'environnement psychologique, hein, je vous parle par exemple la phobie de la foule, la phobie des gens dehors, la phobie de l'extérieur. C'est un petit peu ça en fait. Et l'environnement, en fait, où les facteurs contextuels ont un impact considérable sur le handicap, il désigne tous les aspects du monde dans lequel évolue un individu et qui ont une influence dans les situations de vie auxquelles la personne handicapée est confrontée. Donc je viens vous donner des exemples. Les facteurs contextuels tels que l'accès aux soins, donc les aides techniques et les prothèses. Il y a aussi l'accessibilité des bâtiments ou des organisations, et il y a la législation en vigueur. C'est également l'attitude des institutions et de l'ensemble de la société sur les déficiences de l'individu. Donc je vous ai donné des exemples. Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, l'isolement, la solitude, la dépression, la phobie, toutes les phobies des gens, la phobie de la foule, il y a pas mal de choses. Est-ce que là-dessus vous pouvez considérer comme un handicap personnellement? Tout ce que je viens de vous donner comme exemple. Ben oui. Psychologiquement, c'est rien. Hein. Ah, psychologiquement, oui. C'est un. Clair. Attends, il ne faut pas oublier qu'il y a des handicaps. Et physiquement, ça se voit. Physiquement, oui, la dépression. Bien sûr, la dépression, ça se voit. Quand tu es déprimé, bien sûr, ça se voit véritablement sur la personne. Maintenant, c'est peut-être pas forcément le handicap, parce que là, on parle de handicap invisible. Mmh. Là, nous y sommes complètement dedans. Il y a des hauts et des bas dans la dépression des personnes. Parfois, elles ont l'air euphoriques, elles sont déprimées. Mm-hmm.
La dépression, est-ce que la dépression, on peut dire que c'est un handicap? Oui. Dans quel ordre? Handicap psychologique ou mental, parce qu'il y a plusieurs, c'est dans la forme mentale. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, il y a trois catégories de handicap. Est-ce que vous les connaissez lesquelles? Il y a trois catégories de handicap, exactement, qui sont par psychologie. Alors, alors c'est pas tout à fait psychologique, hein. J'en parlerai tout à l'heure. C'est le handicap mental ou intellectuel. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça fait un. Ensuite. Moteur. Alors non. Malheureusement, pas tout à fait. Moteur, c'est physique, exactement. Le handicap physique, le handicap moteur fait partie du handicap physique. On en parlera tout à l'heure. Il y en manque un. Neurologique. Non. Neurologique, ça fait partie de intellectuel et mental. Hein. Et le troisième, je vois pas. Je vois pas aussi. Moi. Alors, si je vous dis les problèmes de vue. Ah. Visuel. C'est le handicap sensoriel. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas tout à fait. Ouais. Alors, je vais vous donner les thèmes. Donc, le handicap physique qui recouvre l'ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité. Le handicap sensoriel qui regroupe les difficultés liées aux organes sensoriels. Donc, forcément, la vue, l'ouïe, le goût même. Le handicap mental ou intellectuel, c'est une difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition. Bon, voilà. Certaines législations font la distinction entre handicap mental, handicap physique et handicap cognitif. L'OMS, pour sa part, emploie le terme de retard mental pour le handicap mental. Je trouve ça un peu... moi, ça me dérange un peu, retard mental, je vous dis franchement. Parce qu'il y a le mot retard, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est une personne, par exemple, si une personne elle est en dépression, considérée handicapée, elle a pas forcément de retard mental. Oui, mais retard, ça me dérange. Je vous dis franchement ce que je pense. Non, mais ça, je sais pourquoi ça te dérange, Andy, parce que les autres... Parce que eux, ils disent parce que c'est une personne attardée. C'est un petit peu ça, ouais. Voilà, voilà. Donc moi personnellement, mais les gens quand ils emploient ce terme-là, après les gens utilisent comme un défaut envers les handicapés en disant t'es attardé, t'es ci, t'es retardé, même tout ce que vous voulez. Moi ce terme retard mental, c'est pourquoi retard. Or le problème c'est que la plupart des personnes qui sont, mentalement diminuées, or c'est eux qui peuvent t'en apprendre le plus. Ah ben ça on en parlera tout à l'heure par rapport à ça, je sais ce que tu veux dire aussi. Ils sont pas du tout comme ça. Il faut aussi ajouter les personnes polyhandicapées. Alors ça c'est facile, c'est quand j'entends polyhandicapées, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de plusieurs handicaps. Ah oui. Donc ça veut dire que plusieurs handicaps, c'est-à-dire ça peut être comme tu as dit les trois fondamentaux peut-être. Alors là ça serait le plus terrible là des trois parce que quelqu'un qui aurait un problème moteur, qui aurait des problèmes d'ouïe et qui a des soucis psychologiques, je sais que en moteur et mental sont souvent liés. J'ai pas dit les trois, j'ai dit peut-être sur l'un des trois que tu as cité, samedi, ça doit être pas facile pour eux. Non, pas du tout. Je crois que c'est même invivable. Je crois imaginons le pire du pire, quelqu'un vive les trois types. Je sais pas si ça existe. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Mais si ça existe, ça doit être vraiment terrible, quoi. Je me mets pas à leur place. Par exemple, il voit pas qu'il a pas le cerveau à sa place et puis qu'il est par exemple qu'il a pas il a plus l'usage de ses jambes, voyons que j'ai jamais vu pour l'instant les trois quoi, comme tu dis. Tu feras un bisou à la tourterelle de ma part. qui est toujours parmi nous comme tous les samedis. C'est la nouvelle coqueluche pour la radio. Alors, entre un chat, une tourterelle, il manquerait un chien, c'est bien comme ça. Alors, déjà qu'on va faire un sujet sur les animaux en début de l'année prochaine. Mais les gens, quand quelqu'un est victime, par exemple, d'un accident. Oui. La personne peut avoir des zones du cerveau, elle peut avoir plusieurs handicaps. C'est ce que je viens de dire. Effectivement, on peut être les personnes peuvent être victimes de plusieurs handicaps. Mais quand vous regardez, regarde pourquoi il y a le Téléthon, Alors les Téléthons, c'est souvent pour combattre le machin. Toi, après, quand t'as des enfants, bon, qui sont nés, bon, voilà, qui ont peut-être soit une maladie, tout ça, après, qui sont aussi handicapés, voilà, même de leur naissance.
Ça fait aussi mal pour moi. Ça fait mal au cœur pour moi. Précisons que le Téléthon, c'est souvent pour les enfants. Hein, donc on en, mais on en. De toute façon, il y aura un spécial Téléthon. Voilà, aussi, on peut retrouver même dans ces handicaps, comme tu dis, ces trois-là, retrouver aussi sur un enfant. Ça aussi, voilà. Ah mais c'est. De toute façon, personne n'est à l'abri de devenir handicapé. Hein. Ah non, ça je sais. Hein. Alors. Voilà ce que je vais proposer, c'est ce que ça me tient à cœur, c'est qu'en fait on va parler de toutes les formes de handicap. On a parlé du handicap moteur, on va essayer d'expliquer exactement ce que c'est. Je vais vous donner toutes les définitions, mais surtout il va falloir que je vais vous donner aussi quelques astuces pour vous comporter envers les personnes handicapées. Pour moi c'est très important parce que je trouve qu'il y a certaines personnes qui se comportent vraiment mal et qui s'y prennent vraiment mal envers les personnes handicapées. Le meilleur respect qu'on peut avoir pour un handicapé, excuse-moi de te couper là, mais alors justement, c'est de rester soi-même. Alors justement, alors ça j'en parlerai tout à l'heure. Mais là on va faire en termes général. Est-ce qu'il y a franchement des comportements aujourd'hui qui vous dérangent et qui vous gênent fortement? Ah mais beaucoup moi. Bah, de toute façon, moi, on va faire un exemple. Par exemple, si je vais faire un exemple. Voilà. Donc par exemple, si la personne handicapée, bon, on va dire qui est en fauteuil roulant. Moi je me rappelle, j'ai fait une fois, il y avait une personne qui l'avait pas aidé et moi je l'avais aidé. Moi il m'a remercié parce que vraiment. Déjà la rampe, elle était pas accessible pour lui, donc je l'ai aidé vraiment. Et c'est vraiment quand tu vois des gens qui viennent pour dire monsieur aidez-moi, bah oui, puis l'autre qui s'en va, bah il y a certains qui vraiment on mettrait des baffes dans leur voilà. Dans les transports aussi, c'est infernal. Quels sont les comportements franchement qui vous dérangent en général? Bah déjà ils sont comme je t'ai dit, il y a certains qui sont pas vraiment solidaires pour les handicapés. Alors le mot solidaire, je sais pas si on peut parler du mot solidaire. Moi je pense qu'il y en a certains qui ont peur du handicap déjà, il faut être clair. Ouais. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ça dérange, il y en a qui ont, alors bien sûr t'as les jugements, t'as les moqueries, il y en a qui rigolent dès qu'il y a il y a quelque chose qui me dérange fortement, c'est que quand il y a quelqu'un qui a un handicap moteur et mental, les deux liés, parce que malheureusement il y en a beaucoup, et que quelqu'un qui est sur fauteuil roulant, qui parle, on va dire, de manière qui peuvent faire rire les gens, moi je trouve ça aberrant justement que les gens rigolent du handicap. Moi je trouve ça aberrant, on ne rigole pas d'un handicap. Moi je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très très désagréable. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler en même temps. Question que parfois c'est nerveux, mais la personne qui est handicapée comprend, c'est ça le pire. Pour toi, tu trouves que c'est nerveux, mais tu trouves ça normal quelque part, que même si c'est nerveux de rigoler? Pas normal, c'est pas normal. Comme parfois quelqu'un. Non, Nico. Moi, je dirais c'est pas normal. Tu crois que par exemple que quelqu'un rigole de par exemple si toi t'es handicapé, quelqu'un rigolerait sur toi, tu prendrais comment? Vraiment, dis franchement, tu prendrais comment? Très mal. Ah voilà. Donc faut se mettre à la place. Donc, alors imagine par exemple la personne handicapée qui voit qui quelqu'un qui rigole pour dire ouais tiens comme ça ou coquette, ou même qui font des commentaires je sais pas bricoles. Moi c'est pas comme ça. Mais quand tu vois des gens comme ça, je la personne qui est handicapée, et déjà moi je respecte la personne handicapée, parce que bon, peut-être on n'a pas le même fonctionnement, mais on est les mêmes personnes, hein, de toute façon comme ça que je te dis, hein, voilà, c'est ça fois ci Nico, essaie de t'imaginer que t'es handicapé et quelqu'un qui te dit je sais pas quoi, ou même qui te fait du genre, qui t'essaie de démoraliser, puis après au bout du compte tu te fous, la personne handicapée va se foutre très 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 mal, et puis voilà. Il y a deux choses. Par contre, je voulais juste rajouter quelque chose. On parle des handicapés en fauteuil roulant, mais il y a quand même les sourds et muets. Et là, le problème, c'est les handicaps sensoriels. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Non, mais voilà, c'est parce qu'il y a une situation que j'ai vu cette semaine et j'en... Ah, t'en parleras tout à l'heure quand on parlera des handicaps sensoriels. Nico, tu voulais dire quelque chose aussi? Parfois, il y en a quand des gens ils tombent et des gens rigolent. Mais justement, oui, mais là, on reste sur le côté handicap. De toute façon, les gens, est-ce qu'on peut rigoler de tout déjà, premièrement? Non, pas du tout. Alors ça c'est une bonne question là. Parce qu'il y en a beaucoup je parle forcément des gens qui, enfin vous savez, des médias qui, comme par exemple les Guignols de l'info, je vous donne un exemple, hein. Vous savez qu'ils font des satires, des trucs de l'humour satire, vous voyez ce que je veux dire, satirique. Bon, peu importe, est-ce que franchement on peut rigoler de tout? Est-ce que dans les médias satiriques, quelqu'un, est-ce qu'on peut rigoler de handicap par exemple? Ah non, pas vraiment.
Est-ce qu'on peut en, est-ce qu'on peut en mettre de l'humour? Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'il y a des, vraiment tous les sujets peuvent être dans le... Porté à la dérision, j'en suis pas si sûr. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que les, qu'est-ce qui pousse les gens à rigoler de la différence des autres? Parce qu'ils se disent souvent que ça peut pas, que ça peut pas jamais arriver. Jamais arriver sur eux. Voilà. Alors, il faut bien rappeler un détail, c'est que un handicapé, certes, c'est une personne différente. Physiquement, parce que voilà, il est sur son fauteuil roulant, on peut pas, il a pas les mêmes capacités qu'un autre être humain, voilà, on va dire normal, entre guillemets. Je m'y ai dit guillemets, moi. J'insiste bien sur le mot guillemets parce que, un handicapé, pour moi, c'est quelqu'un de normal. Donc, déjà, il faut bien insister là-dessus. Et déjà. Ils sont deux fois plus intelligents que nous. C'est ce que je voulais dire, justement. C'est qu'il faut bien se méfier de l'apparence. Des apparences, parce que, même si un handicapé est différent, voilà, il n'a pas les mêmes capacités. Il est très très loin d'être. Alors, je vais employer des termes un peu crus. Un handicapé est loin d'être débile. Je vous dis franchement, non, mais je suis obligé d'aller plus loin que ça parce que les gens disent oui, c'est un attardé, c'est un débile, c'est un ci, c'est un là, alors que pas du tout. Moi, je peux vous dire que j'en ai fréquenté plusieurs des handicapés et ils sont très très loin. Ils sont très très loin d'être voilà comme les gens disent débile, attardé, tout ce que vous voulez, alors qu'ils sont pas loin du tout, mais pas du tout du tout. Il faut pas se fier aux apparences. Et c'est pas parce qu'une personne est différente qu'il faut se mettre en tête dans sa tête qu'il faut d'une part la rejeter, d'une part d'autre part de jeter un regard voilà, oh, mon Dieu, méprisant dessus. Oui, on va dire ça comme ça. Même vous voyez ce que je veux dire dans ce cas-là, quelqu'un qui juge. D'abord qui sommes-nous pour juger? Ah non. Qui sommes-nous pour juger d'ailleurs? De quel droit? Et puis c'est déjà d'une part c'est tellement moche de juger les plus faibles que soi. Moi je trouve ça lâche et tellement facile de se moquer des plus faibles. Moi je trouve ça honteux. Et de deux on n'a pas à juger une personne d'abord quand on connaît pas. C'est pas parce que c'est un handicapé qu'il faut juger et par son apparence et par son état. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens souvent jugent sans même connaître du tout la personne. Mais justement, alors que le handicapé, ils s'en insistent bien là-dedans, est loin d'être comme les gens disent, attardé. Ils sont pas du tout attardés. Là, quand vous voyez par exemple le Téléthon, il y a de quoi avoir une émotion énorme parce que les enfants ils vivent avec ce handicap et ils vivent malheureusement toutes ces discriminations. Mais quand vous les écoutez témoigner, ça fait mal, quoi. Ça vous prend au trip. On a toujours dit que la vérité sortait de la bouche des enfants. Hein. Entre autres, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le Téléthon est un parfait exemple, voilà. Et c'est pour ça que nous, on y participe à chaque fois parce qu'on sait très bien que depuis. D'ailleurs, je me dis, il y a juste une chose que je comprends pas, une seule chose. J'en parlerai le 6 décembre, le jour du Téléthon. Il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi les gens sont mobilisés uniquement au Téléthon en faveur des handicapés. Ça, je ne le comprends pas. Pourquoi les gens ne le font pas tout le long de l'année? Ça, je ne le comprends pas. Ça, c'est une question que je me pose, moi, personnellement. Ben, il y a pas que pour le Téléthon, il y a pour tous les événements. Là, il y a un événement qui vient d'apparaître, qui est fait par une association en faveur des handicapés, c'est le Handidon. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est encore actuel. Vous achetez un bon de 2 € et puis vous assistez à un tombola, mais c'est versé pour la recherche. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure. C'est une bonne initiative. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter personnellement? Parce que moi j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais bien que si vous avez quelque chose qui vous choque, qui vous tient à cœur sur ce sujet-là, allez-y, quoi, c'est le moment. Pas encore? Pas tout de suite? Bon, on va faire thème par thème, tout à l'heure, je crois que c'est Cédric qui a parlé du handicap moteur, je crois, si je me trompe pas. C'est toi, Cédric, qui a parlé du handicap moteur, hein. C'est ça? Il a dit qu'il revenait, il a écrit... Merci de me l'avoir dit, parce que je ne vois pas sur Skype, je peux pas être partout. D'accord, donc on attend Cédric. Le handicap moteur, alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un handicap moteur? Attention, il faut pas se planter. Parce que le moteur, c'est pas forcément ce que vous croyez. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ben, c'est... Quelqu'un qui pourrait pas bouger son bras, par exemple. C'est un exemple, exactement. C'est tout à fait ça. C'est un exemple. Alors, je vais vous dire. C'est le cerveau qui est complètement... Le moteur, voilà, c'est par rapport à nos... Par rapport au cerveau, c'est encore autre chose. Mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut plus contrôler son corps, par exemple. Donc, le handicap moteur peut se manifester de différentes façons. Il y a des difficultés plus ou moins importantes pour se déplacer. Il y a aussi pour communiquer, pour saisir et manipuler des objets,
pour effectuer certains gestes. Voilà, ça c'est le handicap moteur. Et les troubles moteurs peuvent nécessiter l'usage de certains équipements tels que fauteuil roulant, les cannes et les béquilles. Dans tous les cas, il est très important de s'assurer dans l'arrivée de l'agent de l'accessibilité des locaux dans lesquels il exercera ses fonctions. Ça c'est vraiment le terme handicap moteur. Voilà ce que c'est. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous savez? Alors j'ai le chat qui est très à fond en ce moment. Allez, est-ce que vous voyez les formes de handicap? Parce que vous en avez déjà. Ouais, trisomie 21. Ah non. Alors là, je suis pas sûr que ça soit moteur, la trisomie 21. Je ne suis pas convaincu que. Je peux te dire que si. Je ne suis pas convaincu, hein, moi personnellement. Je peux te le jurer à 100% que c'est le cervelet qui est touché. D'accord. Et qui te paralyse. Je m'excuse au passage aux auditeurs qui nous connaissent à peine. J'ai un chat. Oui, vous savez. Je vois pas pourquoi. D'ailleurs, quel est le crime d'avoir un chat à la maison et d'avoir la radio? Il y a bien Christophe de Chavannes qui met un chien pendant les émissions. C'est la mascotte de l'émission. Donc pourquoi pas avoir un chat pendant la radio? Ça fait original, alors, Marc. Tu sais, les chiens, oui. Christophe de Chavannes, il les aime. Alors pourquoi? Oui. Alors toi, t'aimes les chats. Et moi, j'aime les tourterelles. Toi, t'aimes les animaux. Toi, t'aimes les tourterelles. Cédric, donc c'est logique. Voilà. Bon, est-ce que tu as entendu la définition exacte du handicap moteur? Est-ce que ça correspond à ce que tu as dit tout à l'heure, Cédric? Oui. Voilà. Alors, j'ai une question parce que c'est exactement aussi comment comprendre, mais aussi se comporter face à un handicap. Est-ce que vous savez comment il faut se comporter, d'après vous, face à une personne handicapée moteur? Faut rester je resterai naturel. Mieux rester naturel et puis voilà. Alors, j'en ai plusieurs. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les conseils. Alors, je précise que c'est une association qui conseille ça, c'est pas nous. Une association qui lutte en faveur du handicap. Donc, comment se comporter face à un handicap moteur? Donc, avant l'arrivée de la personne handicapée, il faut penser à lui réserver un emplacement de parking proche de l'entrée de l'établissement. Moteur, hein, je parle. Hein. Le premier jour, indiquez-lui les passages les plus accessibles pour se déplacer dans les locaux. Veillez également à faciliter l'accès au lieu en dégageant le passage. Oui. Troisième comportement, il faut aménager les rangements de façon à ce qu'elle puisse y accéder facilement. Notamment, voilà, il faut pas, par exemple, dans une maison, ranger de la nourriture en haut des placards. Il faut bien le mettre en bas. Ouais. Une personne en fauteuil roulant donc saura vous expliquer comment l'aider à gravir un obstacle ou à effectuer une action. Donc vous savez, il n'est pas débile pour vous expliquer. Au contraire, il est capable et puis il va vous expliquer comment ça fonctionne. Et si vous êtes amené à pousser une personne en fauteuil, évitez les mouvements brusques et anticipez et annoncez les manœuvres. Donc il faut faire très doucement. Si une personne supporte mal la station debout, proposez-lui de s'asseoir. On va y revenir. Je sais que tu as quelque chose à dire sur les transports. Si vous devez avoir une conversation prolongée avec une personne en fauteuil, asseyez-vous afin d'être au même niveau qu'elle. C'est très important ça aussi. Si la personne a des difficultés d'élocution, cela ne signifie pas pour autant qu'elle souffre d'un handicap intellectuel. Il faut en premier lieu l'écouter, il faut être patient aussi, et il faut aussi lui parler normalement. Très important. Faut aussi vous adresser directement à la personne handicapée et non à son auxiliaire. Ce dernier n'est pas votre interlocuteur, mais son accompagnateur. Donc, si vous voulez vous adresser à un handicapé, vous adressez directement à la personne handicapée et pas à la personne, à l'auxiliaire de vie qui l'accompagne. Et je finis, Nico, après tu pourras le dire. Et après, dernier comportement, il faudrait parler donc à la personne handicapée de façon habituelle et n'hésitez pas à employer les termes marcher et courir. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de le dire. Nico, tu voulais dire quelque chose? Parfois, les auxiliaires de vie, ils prennent la parole directement. Oui. Ils laissent pas. Il faut comme si la personne qui est handicapée ne pouvait pas parler. C'est les auxiliaires de vie qui s'en occupent. Ah oui, mais alors là, nous sommes dans les handicaps moteurs. Alors, tu crois que, oui, mais là, je pense que c'est, tu penses des traducteurs, par exemple, qui peuvent pas parler, mais là, on est dans le langage des signes, là. Ouais. Nous ne sommes plus du tout. C'est pour les sourds. Oui, mais là, nous sommes plus du tout dans le handicap moteur, là. Nous sommes dans l'handicap sensoriel. Donc, il faut pas mélanger les deux choses. Ouais. Tu vois, attention.
Dans des handicaps moteurs, il y a parfois des auxiliaires de vie si on s'adresse à une personne qui sera en fauteuil roulant, c'est l'autre qui répondrait. Oui. C'est-à-dire, il ferait comme s'il s'occupait de parler à la place de la personne qui est handicapée moteur. Oui, mais là, c'est pas... Non, moteur, attention, moteur, c'est... Bon, il y en a qui ont du mal à communiquer, effectivement, avec le handicap au moteur, mais ils peuvent parler. Alors, je... Ah oui, ils ont... Même si c'est vrai qu'il y a des fois, on n'arrive pas forcément à tout comprendre, on arrive quand même à... Ah ben je vous en faisant du bout à bout, on arrive quand même à regrouper un peu ce qu'elle veut dire. Je vous en donne un qui n'est pas forcément visible et qui malheureusement est de plus en voilà, qui est moteur et qui est malheureusement mortel, c'est la sclérose en plaques. On n'en parle pas beaucoup de cette maladie. Voilà, on a connu une personne il y a 2 ans qui nous a beaucoup touché par rapport à sa situation de sclérose en plaques. Et malheureusement, avec les années, le corps ne répond plus. Et puis à un moment, ils n'arrivent presque plus à parler. Ils ont du mal à parler, mais ça va. Ils y arrivent à parler. À un moment, ils n'arrivent plus à parler. Mais à ce moment-là, il faut garder effectivement un interlocuteur pour expliquer. Mais bon. Il faut pas confondre moteur et sensoriel parce que faire attention pourquoi parce que tu trouves que les handicaps moteurs c'est on peut en arriver à ne plus parler du tout. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Alors j'ai parlé par exemple de la sclérose en plaques parce qu'à un moment ou un autre effectivement on n'y arrive plus. Est-ce que vous avez un autre exemple? Non, moi personnellement là je. Dans les handicaps, ils comprennent la sclérose en plaques. À la fin, ils n'arrivent plus à parler. Ils y arrivent de moins en moins, on va dire, au fur et à mesure jusqu'à du temps. Jusqu'à la perte totale. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sclérose en plaques? Vous en avez entendu parler? Je crois qu'on a perdu Cédric à nouveau, qui est reparti à nouveau. Est-ce que tu vois ce que c'est, Nico, la sclérose en plaques? Je sais que le pape Jean-Paul II en est atteint, si je me trompe pas. Peut-être, mais je vois pas le rapport. Mais bon, c'est pas parce que j'essayais parce que je disais c'est un peu compliqué parce que je sais pas tout si à la fin quand il parlait plus si c'était à quoi. Bon, ce que je veux dire, c'est que la sclérose en plaques, les gens, ils peuvent, à la fin, comme tu dis, ils perdent toutes les fonctions. Ils perdent carrément, ils n'arrivent plus à contrôler leur corps, on va dire. Ils ne ressentent plus leur corps, ils n'arrivent plus à agir. Complètement. Et ça, pour moi, je sais que c'est terrible, la sclérose en plaques. C'est une maladie très, très. C'est neurologique qui attaque les systèmes nerveux du corps. Et que franchement, à un moment, plus la sclérose gagne du terrain, et moins tu ressens, moins tu sens ton corps, et tu n'arrives plus à bouger, tu deviens paralysé complet. C'est terrible, et c'est mortel malheureusement. Il y a des traitements, mais ce n'est pas guérissable malheureusement. Surtout que quand c'est le cerveau qui est atteint. Tu voulais dire quelque chose sur les transports. Alors on va y revenir là-dessus. Les gens qui ne donnent pas leur place aussi. Ah, je supporte pas alors, ça. Alors vas-y. Alors dans les transports, je supporte pas ça. Ça m'est arrivé mercredi matin, le temps que je faisais des démarches, il y avait deux personnes en fauteuil roulant et t'en as pas un dans le tram qui les a laissé monter. D'accord, carrément. J'ai pété une hurlante. Alors attends. T'as les contrôleurs, t'as même les contrôleurs des transports, c'est inferno où il y en a, ils n'en ont rien. Alors attends, les contrôleurs n'agissent pas alors qu'ils n'ont rien à taper. Il faut rappeler un détail, c'est que les personnes handicapées sont prioritaires dans les transports. Donc il va falloir qu'on m'explique comment ça se fait que les contrôleurs n'ont pas agi. Il a fallu que je me foute en colère pour que les contrôleurs s'amusent à bouger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réagi de suite. Ils n'ont pas réagi de suite comme quoi qu'il y avait deux fauteuils roulants qui arrivaient. D'accord. Et un tramway? Non, c'est un bus, je pense. Mais, non, c'est le tramway. Ah, c'est tramway en plus. Ah oui, encore mieux. C'est encore mieux. Mais donc, si c'est le tramway, il devait être quoi? Allez, 10h30. Oui, bon, ça peu importe. C'est les contrôles habituels. Oui, mais il n'y a pas d'heure. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'heure pour les priorités. Non, mais voilà. Mais ce que je comprends pas. Alors, déjà, là, je pensais pas que tu allais me dire ça, mais je pensais à autre chose, moi encore.
Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'a désolé? Qu'est-ce qui est le comportement? Mais ce qui m'énerve, c'est que les deux personnes, les personnes qui étaient dans le tram, se poussaient pas parce que pour les laisser monter. D'accord. J'ai dû me, au niveau de la porte. Bon, il y a ceux qui descendaient du tram, mais au moment où ils ont voulu monter, il y en a deux qui sont arrivés, qui les ont poussés. Ah, je me suis énervé, j'ai fait non, mais attendez, vous venez pas de voir qu'il y a deux fauteuils roulants qui essayent de rentrer? Vous me faites quoi là? D'accord. Et donc tu dénonces quelque part. En plus, j'avais juste un contrôleur derrière moi et moi je l'avais pas vu. Oui. Ah, le contrôleur, il s'est retourné, il fait non, mais c'est vrai que. Oui, bien sûr. On aurait pu. Voilà. Oui, bien sûr qu'on aurait pu, voilà, mais c'est une fois qu'on gueule, quoi. Non, mais bien sûr. C'est une fois qu'il faut gueuler qu'ils agissent. Non, ouais, mais voilà. Bien sûr. Non, mais il faut. Mais c'est pas vrai. Toi, qu'est-ce qu'il dit, Alex? Il a raison. C'est que toi, il a vu les deux fauteuils. Hein, il a bien vu les deux fauteuils au tramway. Et donc, toi, le temps que le contrôleur réagit, ça met. Il perd du temps. Donc. C'est ça pourquoi les gens, ils faut qu'ils réagissent rapidement. Ils ont perdu 5 minutes pour un truc qui aurait pu se passer en 2 minutes. Il y a autre chose qu'il faut. C'est ça qui est abusé. Autre chose qu'il a dénoncé dans les transports. Là, cette fois, c'est sur les places assises. Ouais. Même chose. Alors, quand je parle de places assises, c'est pas forcément les handicapés, mais aussi les personnes âgées. Il faut aussi penser. Je parle. Les personnes prioritaires. Attends. Quand tu dis places assises prioritaires, dans les bus. Moi, je parle des personnes âgées, mais aussi il faut compter aussi pour les, on va dire, les futurs mamans. Exactement, c'est pour ça que j'allais le dire, les trois priorités, c'est les femmes enceintes, les personnes âgées et bien sûr les personnes handicapées, voilà, qui ont des soucis, qui sont en béquille, voilà, c'est les trois priorités. Et malheureusement, encore aujourd'hui, certaines personnes refusent de laisser la place aux personnes prioritaires. Ça aussi, j'en ai encore vu il y a pas très longtemps. Ça, c'est vraiment injuste. Mais malheureusement, ça existe encore. Donc, qu'est-ce que... Ah oui, je sais, ça existe toujours. Ça existe depuis que je suis petit, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et alors, déjà, est-ce que pour vous, le chauffeur de bus a un rôle là-dedans à jouer? Je suis désolé, je pense qu'il me semble. Je pense que oui, il a un rôle. Parce que moi, il me semble, parce que j'en ai vu des chauffeurs de bus qui n'agissent pas. Ils ne réagissent pas. Ils ne disent rien. Ça me désole, ça aussi. Et oui. À Paris ou à Bordeaux, normalement, à Paris, je sais, normalement, on dit que le chef à bord, c'est le chauffeur de bus. Tout à fait, mais c'est lui qui a le contrôle. Donc, ce que je crois pas, c'est lui qui est censé dire laissez votre place, tout ça, assise. Voilà. Même moi, normalement, qui suis en place assise prioritaire, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, une personne âgée ou que même une personne qui est en béquille, qui est tout ça, qui me demande la place, eh bien je laisse la place, même si j'ai des difficultés d'avoir de l'équilibre dans un bus, je laisserai ma propre place, moi qui suis handicapé et qui est en mobilité réduite aussi, je laisserai ma place. Il y en a qui sont là, qui sont à côté, qui sont assis, qui ne bougent pas d'un clou. Et ça me désole, quoi. C'est vraiment des idiots. Moi, je veux dire, désolé pour cette phrase, moi je pense que c'est que des idiots. Ils réfléchissent pas. Mm-hmm. Ils réfléchissent pas. Ben, ils vivent que dans leur... Regarde, que toi, que tu dis que t'es aussi en mobilité réduite, tu as bien dit, tu dis, s'il y avait une personne âgée ou même en béquille, tu laisserais ta place. Ben, donc, eux, les jeunes, ils vont pas laisser la place. Donc, vraiment, c'est des idiots. C'est pour ça que moi, dans les transports, je me mets toujours debout, parce que je sais très bien que, à tout moment, tu peux pas contrôler savoir. Mais il y a une chose qu'on m'a toujours appris. La plupart, sur les transports communs où je suis à Blois, moi, le plus, c'est que je prends pas où il y a marqué place réservée ou comme toi, Alex, me mets debout. On m'a toujours dit qu'il y avait plus pire que soi. Bon, c'est vrai. Moi, je sais que physiquement, il y a pire que moi au niveau handicap. Donc, ouais. Je sais que je peux laisser ma place à pire que moi. Voilà, moi, je prends des risques. Ça dépend les efforts que tu fais aussi. Je prends des risques parce que j'ai pas d'équilibre dans les bus. Je vous dis franchement, moi, je suis obligé de me tenir à un poteau pour pas tomber. Mais mais je sais qu'il y a pire que moi. Je pense notamment aux aveugles. Je pense notamment aux gens qui ont des béquilles et qui ont un grand mal à marcher, les personnes âgées bien sûr, et alors les femmes enceintes, je pense qu'il faut les laisser aussi devant. Mais regarde,
derrière, j'en dis, pourquoi oui. on voit plus dans les transports ces phénomènes? Parce que quand tu vas dans un, on va dire, quand tu vas dans un autre environnement comme du genre, bon, le supermarché, bon, là, c'est différent, là, ça va, tout mon respect. Mais c'est que les transports. Hein, on voit que c'est les transports qui a un peu le point noir pour les handicapés. Alors, je vais te décevoir parce que c'est marrant quand tu parles du supermarché. J'en ai vu aussi. Alors, c'est vrai. Alors j'ai vu ça aussi de mes propres yeux. J'ai été fou de voir ça. Des bon pas forcément en fauteuil roulant. Hein. Je parle d'handicap, béquille et tout ça. Et qui ne laissent pas leur place en disant mais oui mais monsieur écoutez j'ai que trois choses excusez-moi oui mais vous savez je suis devant ça fait une demi-heure que j'attends ou alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme excuse je suis désolé je suis pressé au supermarché même moi quand je prends les caisses normales il y a des gens comme ça qui te disent ah monsieur vous pas tout ça ça pour moi c'est un peu la connerie, parce que ça c'est un peu abusé. Donc s'ils font ça pour les gens handicapés, mais c'est ce qu'ils font. Mais par contre, ce que je dénonce, c'est ce que je suis en train de dire aussi par rapport au supermarché, le problème qui est, c'est les caissières qui se mettent dans les espaces réservés pour les personnes handicapées et qui s'amusent à les juger. Ah. Alors ça, je supporte pas. Qui rigole. Alors moi, j'en ai vu des caissières qui rigolent au nez. Hein, non, qui rigolent les apparences, j'en ai vu. Hein, abusé. Il y en a qui rigolent, elles s'en parlent entre elles quand elles sont à deux caissières. Et t'as vu l'autre, t'as vu lui, hein, t'as vu comment il est, et puis elles rigolent entre elles, tu sais. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux. C'est que vraiment, c'est des mauvaises personnes. Donc, il faut pas juger. Moi, déjà, faut pas juger une personne comme ça qui est handicapée. Moi, je jugerai jamais comme ça. Tu juges pas, tu rigoles pas. Bon, après, tu peux parler avec lui. Voilà. Faut rester courtois. Mais je pense que déjà le B.A.B.A. Il faut qu'ils oublient déjà les B.A.B.A., les caissières. Parce que pour être caissière et qu'ils sont pas aimables et qu'ils rigolent pour devant un handicapé, excuse-moi, je suis patron, je te vire. Allez direct. Mais il n'y a pas sur les handicapés. Et tu peux pas le prouver parce qu'elle se parle en chuchotant. Même si tu peux pas le prouver que t'as un directeur qui est derrière, là où t'as rigolé tout ça, Les caisses, elles sont surveillées. Il y a le poste de contrôle. Tu vas au poste de contrôle. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Bon, moi, me connaissant, j'aurais pu gueuler, mais j'ai voulu pas faire de scandale, moi, parce que déjà que j'aime pas aller dans les supermarchés à cause de la foule. Mais j'ai vu des caissières en train de se moquer, mais qui rigolent et tout. Moi, ça me tue. Ça ne se fait pas, quoi. Non, mais toi, tu dis, on fait un environnement sur le transport en commun et on peut faire un environnement pour le supermarché ou un hypermarché. On retrouve à peu près les mêmes choses. Hein. Ah, mais de toute façon, on arrivera toujours au même. Le monde est tellement pourri et ça. Ça, tout à fait, hein, Alex. Hein, le monde est vraiment tout, vraiment pourri. Ou soit certains, ils réfléchissent pas. Et je répète, qui sommes-nous pour juger? Voilà. Déjà, ils veulent pas qu'on les juge, alors pourquoi ils se permettent de juger des personnes? Si je venais vers ces caissières, je les traitais de excusez-moi du peu, quoi. Si je donnais une injure, comment elle réagirait? Elle dirait mal en disant qui êtes-vous pour me traiter de la sorte quelque part. Mais pourtant, cette personne ne se gêne pas de juger. Hein, les personnes difficiles, elles rigolent et se marrent et tout. Et alors, c'est ça que je comprends pas. Il y a des gens qui réagissent en ce moment. Je ne comprends pas. Ils se disent, voilà, ils sont différents. Donc nous, en gros, ils sont individualistes. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Quelqu'un qui est différent, les gens se permettent, ils se donnent le droit de se moquer. Mmh. En revanche, si nous, on se moque d'eux, ils se permettent de dire, mais qui vous êtes. Pour me traiter comme ça. Dans quel monde on vit, quoi? C'est hallucinant. Tout ça parce qu'une personne est différente et le juge, si la personne est l'injurier, elle se sentirait victime. Donc il faut arrêter un petit peu les conneries, quoi. Moi, des fois, je joue un peu la pétanque, hein, qui est au fauteuil roulant. Moi, je le respecte. Je le respecte. Déjà, je parle avec lui, normalement. Il joue à la pétanque et il est en fauteuil roulant. Mais voilà, moi, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de rigolade. Il y a juste le respect. Moi, je le respecte déjà. C'est pas que même s'il est en fauteuil roulant, moi, je rigole pas, mais moi, je le respecte. Voilà. D'ailleurs, une asso qu'il faut. D'ailleurs, une asso qui fait.
qu'il faut féliciter, c'est Handicap International. Mais là, parce c'est encore là, autre chose, Handicap International. Ouais, mais bon, voilà, s'il y avait des, tu vois, c'est des gens comme ça qui peuvent. Handicap International, c'est beaucoup pour les enfants, de toute façon, et beaucoup, beaucoup. International, parce que c'est dans le monde, donc. Non, mais voilà, bon. Il y en a qui portent aucun préjugé là-dessus. Et c'est. Ah, ça, je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui existent, heureusement. C'est vrai que c'est bénévole, c'est toutes ces personnes qui militent en faveur des handicapés. Je leur dis bravo. Les chiens et tout cela, voilà, ouais, c'est toutes les associations comme ça. Mais toutes ces. Oui. Et dans le monde, il y a plus d'handicapés dus aux guerres que de morts. C'est ça le pire. Mais là, c'est une autre question. Non, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est vrai, c'est un autre débat. C'est Nico qui est toujours hors sujet, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On n'en veut pas. Donc, on va passer au deuxième handicap, et pas les moindres non plus, parce qu'il y en a plusieurs. On va passer à l'handicap d'origine visuelle. Donc, quand tu parlais d'handi chien, ça tombe bien. Mmh. Donc, alors que le sens que nous mettons le plus à contribution pour appréhender notre environnement, c'est la vue. Les personnes souffrant d'un handicap visuel doivent le compenser par le toucher, l'ouïe, l'odorat et la perception des mouvements. Elles appréhendent le monde extérieur d'une autre façon. Les personnes aveugles ou malvoyantes se déplacent généralement avec une canne blanche. Mmh. Ça, c'est très important de vous le dire, ou accompagnées d'un chien. Afin que la présence du chien ne soit pas un obstacle supplémentaire dans l'accès à la vie de la cité, les transports et aussi les lieux publics, ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, sont autorisés aux chiens guides d'aveugles. En outre, ces animaux sont dispensés du port de la muselière, ouais, exceptionnellement. C'est les seuls. La personne malvoyante reste une personne voyante, mmh, parfois à un très faible degré, qui présente des besoins spécifiques. Elle peut avoir besoin de s'approcher très près des objets pour les reconnaître. L'intégration de la personne malvoyante dans le milieu professionnel peut passer par l'utilisation d'une aide technique, qu'elle soit optique, donc la loupe, la lampe loupe, le système télescopique, de l'aide aussi électronique, comme un téléagrandisseur portable connecté à un ordinateur, ou aussi informatique, comme un logiciel de grossissement de caractères et un écran agrandi. Ça, vous l'avez dans tous les ordinateurs, ça. Mmh. Dans tous les cas, il convient d'accorder une importance particulière à l'ambiance lumineuse de son poste de travail. Celle-ci devra être adaptée à la forme de malvoyance dont souffre l'agent, donc la vision tibulaire, la vision périphérique et la vision altérée. Donc voilà, ça c'est vraiment la définition de l'origine visuelle. Est-ce que... là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi personnellement, perdre la vue, je crois que c'est. Est-ce que vous y arriverez, vous, à vous imaginer de perdre la vue? Ah non. Moi, franchement. Non. Moi, c'est non. Pas possible. Et parce que vous savez, est-ce que vous savez que ça peut arriver à n'importe qui, ça aussi? Ah, ça peut arriver. Ah, ça peut arriver à n'importe qui. Déjà, moi, je croyais que je peux te dire, là, c'est vrai, c'est que c'est ma grand-mère. Elle voyait au départ et maintenant elle perd sa vue. Voilà. C'est ça. Et ça peut arriver n'importe où, au travail, dehors, les lumières, vous savez, les gros spots. J'ai même entendu parler qu'il y en a qui a perdu la vue à cause des lasers lumineux, ouais, parce que je crois que c'était justement un chauffeur de tramway. Il a été victime des jeunes qui lui ont lancé des lasers lumineux. Vous savez, les lasers rouges là, c'est très dangereux, ça. Les lasers verts, lasers verts, c'est le pire. Ça peut changer. J'en ai, mais je sais plus où ils sont. Mais si tu les mets dans les yeux à quelqu'un à un mètre, il peut perdre la vue d'un œil. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, les deux, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui peut être victime, voilà, d'origine visuelle. Mais est-ce que vous imaginez demain, que ça vous arrive de perdre la vue, quoi? Comment vous sentirez finalement? Est-ce que vous êtes mis à la place de quelqu'un qui n'a pas la vue? Quand on perd la vue, c'est comme si vous perdez. Tout environnement, vous êtes coupé du monde quelque part. Ah, mais tu perds carrément tes notions de repère, déjà, d'une part. Ah, mais le fait que tu deviennes aveugle, automatiquement, ça joue. Mais tu ça joue tout. Deux fois plus. Tu t'essayes de développer. Ton cerveau va faire en sorte de développer les quatre autres sens. Mais voilà, la perte de vue, automatiquement, part, c'est ingérable. C'est moi, ce que je veux dire, c'est que perdre la vue, voilà, on est vivant, on est toujours vivant, mais quelque part, c'est une mort.
Ah, mais c'est la mort. Ça reste une mort, quelque part, psychologique, parce que tu t'es coupé du monde, tu vois plus rien. Tu n'as plus la joie de voir les choses qui t'entourent, tes personnes, tes proches, ta famille, tes enfants, je sais, voilà. Et la plupart, c'est terrible, quoi. C'est malheur à dire, mais la plupart, des beaux paysages, je sais pas, plein de choses. Mm-hmm. Des beaux paysages, par exemple, des photos, des quelqu'un qui perd la vue, hein, je dis pas qu'il voit plus rien, je sais. Tu me parlais de ça, je m'imaginais, je disais tous les papiers, comment les gens ils font. Par exemple, s'ils ont des papiers privés, ils veulent les lire. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie que quelqu'un d'autre lise à sa place. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est que pour les personnes aveugles, que ça soit les papiers de café sécu, tout est écrit en braille. Hein. Tout est fait en sorte pour que ça. C'est des cartes magnétiques qu'ils ont en braille exprès pour se reconnaître. Question quand même là-dessus. Est-ce que vous avez déjà fait un test? Moi, je vais pour comprendre finalement la meilleure façon de comprendre quelqu'un qui perd la vue, c'est de tester finalement. Est-ce que vous êtes un petit peu Colin Maillard, c'est-à-dire être coupé complètement du monde, mettre quelque chose entre qu'on voit plus rien du tout, et essayez et mettez-vous à la place après de quelqu'un qui perd la vue, qu'est-ce que ça fait? Il faudrait une canne blanche pour le faire. Est-ce qu'il faudrait le tester? Faudrait tester carrément, voilà. Il faudrait directement pour comprendre. Il faut que nous-mêmes on fasse l'expérience. Mm. En cachant notre vue, voilà, par différents moyens qu'on voit rien, mais tout en noir, et pendant 24 heures faire le test comment on vit avec ça, quoi. Et est-ce que vous déjà dehors c'est difficile, hein, je sais pas comment ils font, c'est difficile, t'as la peur permanente de que les gens te foncent c'est dessus. C'est pour ça que d'ailleurs les chiens existent. Hein. Oui, mais il y en a qui ont des cannes. Donc, oui, il y en a qui ont des cannes, c'est qu'ils sont malvoyants. Les cannes, c'est pas. C'est qu'ils sont. C'est bien. Qu'ils voient encore en alternance. Au lieu de voir les couleurs, ils voient que du noir et blanc. Or, ils y voyaient un peu encore. Non, mais les cannes, le problème, c'est qu'ils ne voient pas forcément où ils vont. Et puis, les gens, ils s'en foutent, ils foncent. C'est pour ça que tu verras toujours un aveugle à canne, automatiquement, faire glisser la canne et le bout. Oui. Tu vois qu'il est arrondi. Automatiquement, c'est pour sentir les obstacles. Il y a autre chose. Là, je vise pas mal de monde aussi quand il y a un aveugle qui est sur le trottoir. Déjà, je leur donne beaucoup de courage pour ce qu'ils font parce que ça doit pas être facile de vivre en extérieur et que des gens les regardent comme ça. Les regardent ou les bousculent. Je comprends pas, c'est je les regarde dehors, en train de. Ils se mangeraient le poteau, ils rigoleraient les gens, tu sais. Au lieu de l'aider humainement en disant attention, faites attention au poteau, faites attention où vous allez, vous allez sur la route. Des gestes citoyens. Ouais. Eh ben non, les gens les regardent tranquille. Les gens sont individualistes, ils en ont rien à foutre. Les gens regardent, il y en a qui rigolent, il y en a qui se disent qu'est-ce que c'est que cette chose. Et puis s'il mangerait le poteau, ça il rigolerait. S'il mangerait le mur, ça ferait encore plus rigoler. Excusez-moi du peu. C'est pour ça que la meilleure façon de comprendre ce qu'ils vivent, c'est d'être à leur place quelque part. Donc de cacher nos vues. Allez, 24 heures, enfin une journée dehors, vous allez voir ce que c'est. Imagine ceux qui sont aveugles, sourds et muets. Alors ça, par contre, là, ça peut être dangereux. Alors là, être aveugle et sourd et muet, c'est pas possible d'être dehors. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est là, impossible. Tu peux pas, c'est impossible. Il faut au moins avoir un petit peu... pour être dehors, il faut un minimum de... Ont les appareils, tu vois, c'est... Oui, mais bon, minimum quand même, parce que là, c'est trop dangereux pour leur sécurité. Ouais. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc moi, je pense à leur sécurité en premier. C'est clair. Les aveugles, des fois, ils sortent quasiment pas parce qu'ils peuvent pas... Pour leur sécurité, ils peuvent pas. Il y a la peur de se faire écraser, la peur de se manger n'importe quoi, et puis de se faire voler aussi, parce que malheureusement c'est une cible facile aussi les aveugles. Ouais. Et ça c'est terrible aussi qu'il faut moi pour leur sécurité. Pour moi, les aveugles sont des cibles faciles pour les voleurs, hein. pour les raquettes, pour les pickpockets. Moi, je trouve ça tellement lâche aussi de s'en prendre au plus faible. Moi, je trouve ça désolant, quoi. Je crois que c'est puni une aggravation par la loi. Oui. Mais de toute façon, tout acte
tout acte est punissable. Hein. Oui, mais ben, il faut le prouver. Encore une fois, voilà. Je rappelle qu'il faut prouver chaque délit. Je tiens à vous le préciser. C'est pour ça que c'est des cibles malheureusement plus faciles, parce qu'un pickpocket, il sera pas reconnu, ou une personne âgée, aussi, par exemple aussi des fois. Bon. C'est pas la même chose, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Alors, je vais vous donner comment il faut se comporter exactement face à une personne qui a des soucis visuels. Alors, écoutez bien, je pense que c'est très important. D'abord, pour capter l'attention d'une personne déficiente visuelle, il faut l'appeler par son prénom ou son nom. Dans un lieu bruyant, il se peut qu'elle ait des difficultés à évaluer si l'on adresse à elle ou à son voisin. Touchez-lui légèrement l'épaule pour vous faire remarquer, mais surtout légèrement pour pas lui faire peur, quoi. Pas brusquement, parce qu'on ne sait jamais. Si la personne ne connaît pas le son de votre voix, il faut vous présenter. Tout simplement. Il faut pas vous présenter comme un inconnu. Présentez-vous qui vous êtes, pourquoi vous l'aidez, tout ça. Ensuite, lorsqu'elle doit se déplacer, offrez-lui votre aide. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Si elle accepte, vous pouvez lui demander la façon dont elle préfère être guidée. Elle peut tenir votre bras, poser la main sur votre épaule ou être guidée verbalement. Il peut également être nécessaire d'ajouter des indications orales. Précisez lorsque vous allez contourner un obstacle et annoncer la première et la dernière marche d'un escalier. C'est très très important. Autre point, si elle est accompagnée d'un chien, n'oubliez pas qu'il travaille et il ne doit pas être perturbé. Demandez l'autorisation à son maître avant de le caresser. Donc ça veut dire qu'un chien, on va dire qu'il est très formaté pour aider un... Mais le chien, il est conditionné. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il est conditionné pour qu'il écoute simplement à la personne qui l'est. C'est ça. C'est pour ça. Et d'ailleurs, je trouve que le boulot de dressage qu'ils font des chiens... C'est énorme. Il faut combien d'années? 3 ans, je crois, pour conditionner un chien, je crois. Il faut 5 ans. Je crois que j'ai entendu 3 ans, mais... J'ai entendu 5 ans. D'accord. Pour éduquer un chien. D'accord, parce que j'en ai entendu 3. C'est pour ça que la plupart de handi-chiens prennent des labradors, parce que... Vous les avez croisés à Capasso, en dix chiens, en fait. Ah, ouais, t'étais pas là, mais tu les as vus, Nico, en dix chiens, à Capasso? Ils sont là chaque année. Parce que, non, j'ai pas vu. T'as pas vu, parce que je sais qu'ils sont souvent là. Et on les a sur les quais, juste à côté, de la maison. Nous, on les a à côté de la maison, et je vais te dire qu'ils font un sacré boulot. Donc, surtout, ne caressez pas le chien sans autorisation du maître. Mm-hmm. Ça, c'est très, très important, parce que, comme tu as dit, le chien est très, très conditionné par son maître. Par rapport à la voix, il reconnaît, il agira simplement par la voix du maître. Exactement. Autre chose, vous pouvez employer naturellement le vocabulaire de la vision. Par exemple, auriez-vous vu monsieur un tel? Bon, c'est vrai que c'est... Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Non. Par respect, parce qu'on ça serait déplacé. Moi, personnellement, pour le respect de la personne, je dirais pas auriez-vous vu un tel. Moi, je trouve ça un petit peu déplacé, un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a un manque de respect là-dedans. Donc, moi, je le ferai pas personnellement. Moi, je le ferai pas. Par respect. Ensuite, vous pouvez lui décrire l'environnement. Ça, c'est vrai. Moi, je trouve que ça serait bien, notamment en cas de bruit ou d'odeur surprenante. Ça, c'est important. Non plus, il faut pas déplacer les objets sans avertir la personne. Ah, bah oui. Parce qu'elle risquerait de peiner à les retrouver. Soit elle peine à les retrouver, ou soit le chien, justement, risque de... Si, non, mais pense aussi qu'ils n'ont pas forcément un chien. Oui, c'est non, ça qu'il faut mais se le dire. Chien, si, pour ceux qui ont un chien, le chien, c'est au chien de le faire. Si les objets sont là, ça fait que... Alors, le chien aussi. Avant de diriger une personne vers un siège, expliquez-lui le type d'assise, donc s'il s'agit d'un fauteuil, une chaise ou un tabouret par exemple. Ensuite, pour l'aider à s'asseoir, il suffit de placer sa main sur le dossier de la chaise qui lui est destinée et de la laisser faire. Avancez la chaise si celle-ci est poussée sous une table. Donc ça, c'est très important. Et autre chose aussi, prévenez quand vous quittez une pièce afin qu'elle se rende compte de votre sortie. Voilà, donc ça c'est vraiment les moyens, c'est des bases qu'il faut apprendre. Hein. Et surtout, laisser, quand vous ne vous moquez pas dans les rues, quoi. C'est ce que je suis en train de me dire. Au lieu de vous moquer d'elle, tout ça, offrez votre aide, quoi. C'est un geste citoyen comme que tout le monde pourrait faire. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de dégradant et d'humiliant de faire ça. Ça c'est très important. Autre type, dans ce cas, après le visuel, on va passer à l'auditif. Donc le terme handicap auditif désigne différents types de déficiences pouvant toucher une seule oreille et aller d'une surdité légère à une surdité profonde.
Les surdités sont classées selon le degré de gravité de la déficience, en déficience auditive légère, moyenne, sévère ou profonde. En fonction du degré de gravité, les personnes sourdes ou malentendantes devront mettre en place certains types de compensations. Pour accéder à l'information et pour communiquer, les personnes sourdes ou profondes s'appuieront surtout sur le visuel et le gestuel, en espérant qu'ils n'ont pas de problème de vue en même temps. Il y a le gestuel par contre. Oui. Donc comme le braille, bien sûr. Les personnes malentendantes auront, elles, la plupart du temps recours à des prothèses auditives. On en a parlé. Ces compensations requièrent de la part de la personne handicapée un surcroît de concentration, souvent générateur de fatigue. Les personnes, merci pour le bruit, les personnes malentendantes équipées de prothèses auditives resteront gênées dans des lieux bruyants ou lorsqu'il y a un bruit de fond. Les personnes sourdes peuvent avoir des difficultés à maîtriser la puissance de leur voix car elles n'ont pas conscience du bruit qu'elles génèrent. Mmh. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les soucis, ou alors sur les sourds et malentendants maintenant? Eh ben justement, sur les sourds et malentendants, ben, cette semaine encore, j'ai croisé deux jeunes filles. Mmh. Quoi, 17-18 ans, mmh, qui étaient sourdes et malentendantes, et je leur tire mon chapeau parce que c'est pas évident de faire de langage des signes dans le tram. Ils arrivent à se comprendre, mais ils savent très bien, même s'ils font pas du langage de signes, avec la vue, ils arrivent très bien à lire sur les lèvres. Et quand... Ah oui, parce qu'il y a plusieurs moyens de s'exprimer quand on est sourd malentendant. Ouais. C'est lire sur les lèvres. Ouais, il y a le regard, c'est plus difficile, quoique c'est pas facile de lire sur le regard. Le braille, c'est plus pour les aveugles, c'est pas pour les non-voyants. Ouais. C'est pour les ils peuvent écrire normalement les non-voyants. Oui. Les sourds, les malentendants, ils écrivent normalement. Conditions qui n'ont pas des problèmes de vue. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut espérer qu'ils aient pas les deux, parce que là, ça serait catastrophique. Hein. S'ils perdent et la vue et l'ouïe, là, c'est une catastrophe. Bien sûr qu'ils peuvent faire le braille écrit, bien sûr. C'est-à-dire sur un tableau, sur des feuilles, sur des ardoises, des voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de s'exprimer. Et puis bien sûr, le langage des signes, bien sûr, le plus répandu, et le plus utilisé. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, alors premièrement, je vais d'abord vous dire comment il faut vous comporter face à des sourds et des malentendants. Donc, lorsque vous vous adressez à une personne porteuse d'un handicap auditif, il est inutile de hausser le ton. Ça sert à rien. Ça sert à rien de crier. Parlez lentement. Ah oui, parce que pour qu'il puisse lire dans vos lèvres, lire sur les lèvres, c'est très important. Faites des phrases courtes surtout et utilisez des mots simples. Il faut articuler afin qu'elle puisse lire plus facilement sur vos lèvres. Pensez à vous installer dans un endroit bien éclairé. Attention au contre-jour. Ouais. C'est très important. Deuxième point, si vous rencontrez des obstacles lors d'une conversation avec la personne, proposez lui d'écrire. Ça, c'est ce que vient de dire Nico. Mmh. D'une manière générale, écrivez les nombres et les noms propres. De manière générale. Ensuite, pour pallier les difficultés induites par l'impossibilité de communiquer par téléphone, utilisez aussi les courriels, les SMS ou le fax. Mmh. Ne parlez pas non plus en marchant, ça sert à rien. Parce que le problème, avec le vent, les courants d'air, tout ce que vous voulez, on n'entend pas forcément bien. Parce qu'ils sont obligés de tourner la tête pour que tu... Alors, si des réunions sont organisées, prévoyez selon le cas un interprète. Ah ben, en langage des signes ou en langage parlé, ou un système de vélotypie, c'est-à-dire une méthode de saisie qui permet le sous-titrage en temps réel. Il existe également des systèmes de traduction à distance qui fonctionnent sur Internet. Mmh. En complément des aides auditives, les personnes porteuses d'un handicap auditif disposent de divers moyens de communication. Donc, est-ce que vous connaissez les trois moyens de communication des sourds et malentendants? On en a cité déjà deux. Le langage des signes. Le langage des signes, ça fait un. L'écriture. Alors non, c'est pas forcément le langage courant des malentendants. Ah, lire sur les lèvres. Voilà, ça fait deux, il y en manque un. Et le troisième, c'est le langage parlé complété, c'est-à-dire qui permet de coder avec la main tous les sons de la langue française. Mmh. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est la troisième forme. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Le langage des signes. Moi déjà, moi c'est quelque chose que je pense que ça serait nécessaire d'apprendre finalement. Ouais. Est-ce que on devrait pas finalement quelque part faire apprendre aux enfants le langage des signes dans les écoles? Moi je pense oui. Moi je pense que c'est utile. Je vois pas ce qu'il y a de grave. Au moins les mots simples comme bonjour,
Au revoir, merci. Parce que je pense que ça serait nécessaire. Je pense que c'est utile. Je ne dis pas qu'il faut apprendre tous les langages des signes, tous les mots, mais je pense, comme tu viens de dire, les bases. Voilà, au moins le bonjour. Merci, oui, voilà. Je pense que déjà, rien que ça, je pense que ça serait intéressant de faire apprendre aux enfants le langage des signes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que finalement, je veux pas dire que ça devrait être obligatoire d'apprendre le langage des signes, mais pour moi, je trouve que c'est nécessaire. Ah, mais c'est nécessaire d'apprendre. Dans toute... Moi, personnellement, j'ai même proposé de le faire parce que, d'apprendre le langage des signes, parce que, au niveau de l'association, d'une part, parce qu'on a, ce qui m'a, et je pense que Nico comprendra ce que je vais dire, c'est Capasso. Je vais vous dire pourquoi. On a beaucoup rencontré de handicapés dans notre étage. D'accord. Et même dans les transports. Dans les transports, il y en a plein. Plein de gens. À Bordeaux, j'en ai croisé beaucoup, des jeunes notamment, qui sont victimes de problèmes auditifs et qui parlent avec le langage des signes. J'en ai vu plein à Bordeaux. Et moi, je pense que, voilà, en tant qu'association, je me suis dit, ça serait nécessaire et même très primordial d'apprendre le langage des signes. Moi, je connais pas les langages des signes, pourquoi pas aussi d'apprendre aussi. Voilà. Moi, je pense d'apprendre. Alors, il y a des formations pour ça, il y a des centres spécialisés pour apprendre le langage des signes. C'est pas donné, je vous le dis franchement. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup. Mais ça, c'est un peu dommage que les gens doivent payer pour apprendre. Bah, écoute, quand tu fais des cours d'anglais, quand il y a des gens qui proposent des cours d'anglais, des cours de maths et que c'est payé, c'est pareil. Hein, donc voilà, qui font des cours particuliers, c'est exactement les mêmes choses. Et oui, c'est normal. C'est pas comme à l'école. À l'école, ils devraient aussi proposer ça. Je rappelle que l'école, c'est payant. Hein, c'est pas gratuit. L'école est gratuite. Non, c'est payant. D'où tu sors que c'est gratuit, l'école? Non, mais je veux dire, c'est payé par l'État. Les cours sont payés par l'État. Ah, les cours, peut-être, mais l'enfant qui va à l'école, t'inquiète pas, tu payes. Hein. Les parents, ils payent malheureusement pour leur enfant, je te rassure. Hein. Le fait qu'ils payent l'inscription déjà à l'école, automatiquement, c'est déjà payé une partie. C'est vrai que les programmes à l'école sont pas forcément suivis. Le langage des signes, moi, je trouve ça. Dans le SVT, par exemple, la science de la Terre, moi, je pense dans les cours de SVT, le langage des signes, moi, pour moi, ça devrait être utile et nécessaire. Ah, mais ça devrait être. Dans les formations professionnelles, je pense que ça devrait être aussi être instauré parce que c'est pour moi c'est quelque chose d'utile. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui fait une formation qui veut devenir cuisinier et qui est sourd malentendant. Excusez-moi du peu. T'as dit pas comme emploi cuisinier? Je te rassure, il y en a qui arrivent. Hein. Mais quoi, mais je suis désolé, tu peux être sourd malentendant et être cuisinier. Ah, tout à fait. Non, tout à fait. J'ai rien dit. Tu pensais que j'allais dire aveugle, c'est ça? C'est pas gentil, ça. Cuisinier aveugle, rien. Ah, c'est pas gentil, par contre, sur ce côté-là. Non. Ah, le pauvre. Après, je dis le pauvre. Ah, mince. Là, c'est pas gentil. Pourquoi pas. Après, on peut dire aussi un autre. Mais je suis désolé. Dans le monde du travail, quelqu'un qui a des soucis auditifs, qui fait cuisinier, je donne par exemple le patron qui apprend le langage des signes, magnifique. Hein? Moi, je trouve ça super beau qu'un patron d'entreprise et même des gérants, tout ça, apprennent le langage des signes si on a affaire à des personnes handicapées auditives, quoi. Mais normalement, justement, dans les grandes entreprises, ils doivent avoir un nombre d'handicapés. Oui, mais il devrait avoir 20% selon les. J'ai la loi, j'en parlerai tout à l'heure. Ne vous cassez pas la tête, j'en parlerai tout à l'heure des obligations des employeurs. Ça sera en deuxième partie, ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire? Des exemples, des choses qui seraient nécessaires à faire pour comprendre les gens qui sont handicapés? Déjà, il faut rappeler que c'est pas parce que quelqu'un a des soucis d'ouïe qu'il peut pas travailler. Mmh. Et donc, malheureusement, le seul moyen pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, de frein entre deux personnes, qu'il n'y ait pas de différence, c'est effectivement que soit le langage des signes, soit le langage labial. Ah bah tiens, regarde, en parlant de langage des signes, bah tiens, j'ai l'alphabet de langage des signes. Sur Internet. Tu confonds pas un petit peu avec le langage international par hasard? Parce que c'est encore autre chose. Parce qu'il y a. Moi, je sais pas, c'est marqué dossier, il y a un dossier. Parce qu'il y a un langage des signes international. Je sais qu'il y a les lettres.
Mais les lettres, c'est pas langage des signes, les lettres. Les lettres, c'est plus le langage international, mais c'est un peu compliqué, ça. Ah oui, très compliqué aussi. C'est vrai que le langage des signes, mais c'est tellement compliqué que c'est bon à apprendre, et je trouve ça très, très humain, et même un geste citoyen d'apprendre le langage des signes. Mais en plus, quelque part, ça fait coder, tu sais. T'es en pleine réunion, tu parles en langage des signes, tu sais. Au moins, tu déranges pas en réunion, tu sais. Ouais, mais bon. Non, c'est parce que voilà, ça, après, t'as les interprètes qui sont là exprès aussi, mais. Oui, mais non. Moi, je pense que c'est. Il faut pas passer par des interprètes à un moment. Moi, je me dis que c'est à nous, quelque part aussi, de faire un geste citoyen en apprenant, pour éviter la barrière des langues et la barrière des différences. C'est à nous aussi, quelque part, d'apprendre, voilà, de casser ces différences et de casser cette barrière en apprenant par nous-mêmes le langage des signes. Moi, je trouve ça tellement dommage qu'on passe par des interprètes. C'est dommage. C'est de la facilité, ouais. Et c'est, je trouve ça un peu dommage. Et puis il y a des choses que parfois on peut vouloir dire qu'on ne peut pas dire. Oui, mais alors attention, ça fait jugement, ça. Ne pas essayer de se censurer non. Bonjour, plus. Bonjour la malhonnêteté. Dans ce cas, si tu dis pas des choses que tu veux dire, des choses que tu dis pas. Je veux dire par un interprète. Je crois que l'interprète ne le dira pas si jamais tu dis jamais il y a une insulte. Quoique, je crois qu'il ira jusqu'au bout. Je crois que si, parce qu'il y a un code entre les deux. Je crois que c'est tout se dire, quoi. Donc Si. On appelle le code déontologique. Oui, mais bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Non. Autre handicap, c'est l'origine intellectuelle. Alors, la déficience intellectuelle n'est pas une maladie, il faut bien le rappeler. Elle se caractérise par un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne auquel sont généralement associées des limitations, notamment au niveau de la compréhension, des connaissances et de la cognition. C'est ce qui a trait à l'abstraction, la mémoire, l'orientation dans l'espace et la déduction. Donc, le degré d'autonomie de la vie de la personne varie en fonction du niveau de son retard mental. Décidément, on y revient là-dessus. Une déficience légère permet généralement de s'adapter sans grande difficulté au poste de travail. D'une façon générale, les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle doivent pouvoir s'appuyer sur des repères spatiaux et temporels de façon à se sentir en sécurité. Il est donc important d'en tenir compte dans leur environnement de travail, notamment dans sa dimension relationnelle. Est-ce que là, vous avez compris ce que c'est que l'intellectuel, ou est-ce que ça vous parle pas ? Ouais, c'est compliqué. C'est la perception de l'entourage qui est plus la même. C'est vrai que c'est un peu compliqué la définition, mais en tout cas c'est ça. Donc comment se comporter face à ce genre de situation, face aux origines intellectuelles ? Alors d'abord, il faut être simple et accueillant, d'une part. Deuxièmement, il faut parler lentement. Utiliser des mots simples et laisser le temps à la personne de comprendre et de répondre. Donc il ne faut pas être pressé d'attendre une réponse, quoi. Ensuite, il ne faut pas manifester votre impatience. Il faut être attentif à ce que la personne souhaite vous expliquer. Il ne faut pas être surpris non plus par les manifestations de proximité que la personne peut vous témoigner. Par exemple, le tutoiement, entre autres. Bonjour, le bruit qui est derrière, c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est d'origine intellectuelle. Donc en gros, si ce que j'appelle retard mental, alors c'est moi j'aime pas le mot retard, je dis franchement, mais j'ai compris le sens, c'est que voilà, c'est qu'il y a une on n'est pas synchro quelque part. Voilà, intellectuellement, c'est qu'il y a ce que j'appelle retard mental, c'est qu'il y a du temps pour que le cerveau réagisse et qu'il réponde, quoi, quelque part. Ouais, donc il y a un décalage. Donc voilà, il y a un décalage entre la question, la réponse, entre le dialogue, tout ça, et il faut pas y prêter attention, faut être surtout faut pas être impatient, faut pas être stressé, faut pas être non plus désagréable envers la personne qui vous répond, on va dire en décalé. On va dire ça comme ça. Donc faut pas du tout être non plus surpris, faut pas être voilà, moi je sais qu'on en a rencontré un Capasso d'ailleurs, une personne comme ça qui avait un souci intellectuel, qui avait du mal, qui bégayait, qui avait du mal à répondre normalement, qui mettait du temps à répondre. Moi j'étais très patient et puis on s'est très très bien entendu. D'ailleurs, il y a un livre il a sorti un livre à ce sujet et qu'on va prendre au mois de novembre. Je lui ai fait une promesse d'ailleurs, je sais pas si m'écoute, j'ai une personne, je sais pas si Nico tu te souviens de cette personne. Tu te souviens, c'est une personne qui avait un certain âge, qui habite à Arcachon et qui a sorti un livre qui a parlé justement de son problème handicap et qui a parlé aussi de son parcours, parce que ça fait des années qu'il vit avec ça, qu'il a constamment vécu avec le jugement, les regards et tout ça, et qu'il a quelque part appris avec ça, et aujourd'hui voilà 60 ans, quelque part il s'en fiche, quoi, de tout ça, mais il montre son parcours, son vécu. Ça a pas été facile pour lui, mais on a eu un bon dialogue, ça a duré presque trois quarts d'heure, une heure, et je peux vous dire que c'était très très enrichissant. Et je sais que Yvonne aussi a été très 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 touchée par rapport à cette rencontre.
On en parlera. Mais j'en parlerai de cette personne pour son livre parce que je l'ai pas sur moi, je n'ai pas la brochure. J'en parlerai dans une prochaine émission de son livre parce que franchement ça vaut le coup. Alors ensuite on va parler du handicap psychique. Alors ça c'est encore autre chose, c'est pas la même chose. C'est qu'une personne souffrant d'une maladie psychique présente des différents troubles de la personnalité qui n'affectent généralement pas ses capacités intellectuelles, mais qui peuvent avoir des incidences sur la pensée, le comportement ou bien l'affectivité. Plus particulièrement, ce type de maladie affecte les qualités relationnelles, qui peut conduire à une certaine rigidité de raisonnement, à des problèmes de concentration et entraîne des difficultés à s'adapter à la vie en société. Le handicap psychique résulte de différentes maladies, donc il y a les psychoses, il y a les troubles bipolaires, il y a les troubles graves de la personnalité, donc par exemple la schizophrénie, tout ça. Il y a aussi certaines pathologies comme les traumatismes crâniens par exemple, et tout ça nécessite généralement des soins de longue durée. Les troubles peuvent être d'intensité variable. L'adaptation au poste de travail dépend du degré de gravité et de la nature du handicap. Ainsi, une personne dépressive, tout en étant fragile, peut tout à fait s'insérer dans une équipe. L'environnement immédiat et l'ambiance de travail jouent bien sûr sur un rôle prépondérant. L'intégration sera d'autant plus aisée que la personne aura été accueillie et reconnue dans ses compétences. Là, on est dans une catégorie d'handicap plus coriace. Je vous dis franchement, c'est déjà beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicat. D'abord, le trouble bipolaire, on a fait une émission l'année dernière sur le trouble de la bipolarité. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la bipolarité d'abord, premièrement, ou la schizophrénie? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que ces maladies, Nico? La bipolarité, ça peut être dépressif ou. C'est un peu ça, oui. Ah, ouais. Alors, je vais vous dire, la bipolarité, c'est anciennement le nom de maniaco-dépressif. Voilà, c'est l'ancien terme, le maniaco-dépressif, c'est l'ancien terme de la bipolarité. Donc, t'as la phase maniaque et t'as la phase dépressive. Quand t'as la phase dépressive, je peux vous dire que c'est une catastrophe, par contre. C'est, je vais vous dire, moi, que je connais ça, c'est la phase dépressive, c'est une horreur. Donc, c'est même pas la peine de rêver et puis c'est difficile à s'en remettre. Par contre, de côté maniaque, ça relève un petit peu presque de l'hyperactivité. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais maniaque, c'est. La schizophrénie, c'est un doublement de la personnalité. Alors, la schizophrénie, oui, c'est un doublement de la personnalité. C'est encore autre chose, hein. C'est pas évident. Il y a aussi tout ce qui est hyperactivité. Alors l'hyperactivité, trouble de la personnalité. Il y a aussi les troubles qu'on appelle en termes psychologiques borderline aussi. Borderline, c'est un peu compliqué. Voilà, tous ces genres de maladies psychiques. Qui est pas facile à s'intégrer dans la société. Même ça dépend du degré de la gravité effectivement du handicap. Si ça touche physiquement, dépression, tout ça, quand tout ça s'accumule, c'est difficile. Je sais pas si ça peut être gérable. Oui et non, parce que il y a les troubles. Ça dépend le degré d'un. Alors si c'est uniquement la bipolarité sans problème derrière et que ça touche pas la dépression, c'est gérable parce qu'il y a un régulateur d'humeur comme le Dépakote par exemple qui régule tout ça. Malheureusement la schizophrénie, ça par contre. C'est autre chose. Ça c'est encore autre chose, beaucoup plus délicat. Je l'avoue. C'est un petit peu plus délicat à gérer. Oui, ça c'est clair. C'est régulable, à la fois c'est pas régulable si jamais le trouble psychologique va plus loin et va trop loin, et puis si ça touche physiquement comme le surpoids, la dépression, les nerfs, tout ça, et voilà, malheureusement ça t'es dans un état pas facile. Donc là je vais essayer de, c'est pas facile parce que d'une part, comment il faut se comporter alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment il faut se comporter face à ce genre d'handicap? Premièrement, il faut être patient et il faut pas se montrer agressif. Bon courage. Là, c'est pas évident, surtout quand c'est pas gagné. C'est pas facile du tout. Ensuite, il faut mettre vos préjugés de côté. Alors ça, c'est très essentiel. Là, c'est très primordial. Alors, je sais que c'est pas facile, notamment sur les personnes bipolaires, tout ça. Mais je peux vous dire une chose, que quand on est, c'est une maladie. Et ça, il faut être bien clair là-dessus. Ça reste une maladie. Donc, il faut mettre les préjugés de côté parce que comme c'est une maladie, eh bien, il faut vous dire que cette personne est malade et c'est pas quelqu'un qui est dérangé. C'est une maladie, malheureusement, qu'elle porte en elle et qu'il l'a pas fait exprès et qu'il l'a pas choisi. Oui, je sais, il y a un gros bruit derrière, c'est pas facile. Je sais pas qui c'est, mais ça, c'est. Et Canal Plus derrière, est-ce que Canal Plus on peut l'enlever? Merci, ça serait sympa. Donc je disais que quelqu'un qui est malade, donc c'est une maladie qui est reconnue, et qu'il faut pas porter de jugement trop facile et trop rapide face à ce genre de handicap. Il faut se mettre en tête, voilà, c'est une maladie. Ok, voilà.
je ne dis rien, je n'agis pas. C'est vrai que c'est plus délicat par contre pour les schizophrènes, parce que schizophrénie, c'est une maladie. Tu peux jamais savoir quand est-ce que ça va. C'est plus délicat pour moi, parce que schizophrène, à la fois tu peux comprendre et tu peux gérer, mais à la fois tu sais que c'est difficile à vivre avec, tellement que voilà, tu sais que t'as affaire à deux personnalités, une double personnalité, que tu comprends pas, que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à gérer. Et les personnes qui sont schizophrènes aussi, ils le comprennent pas forcément. Peut-être. Mais au bout d'un moment, ils font même plus gaffe à ce qu'ils font, puisque ils ont tellement le dédoublage de personnalité automatiquement que pour eux c'est. Oui, des fois ils doivent pas. Je pense qu'il y en a, ils font plus attention à ce qu'ils font, ils se rendent plus compte. Oui. Et alors, ça peut être vraiment dangereux quand ils en arrivent là. Alors, je continue. Il faut aussi aux personnes de psychiques. Donc, il faut éviter l'isolement de la personne. Mmh. Alors, ça c'est bon courage. C'est bizarre. Je connais ça, mais bon, c'est pas grave. Il faut aussi éviter l'évolution brusque de l'environnement de travail et trop de sollicitations simultanées. Mmh. Voilà, il faut éviter d'en trop demander quelque part. Un isolement. Les personnes, elles sont isolées. Je sais ce que c'est. Mais bon, je vais pas donner des détails, je préfère pas. Mais voilà, donc je sais. Mais il faut bien se prendre conscience aux gens qu'il faut pas juger trop hâtivement. Voilà, les personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est très délicat, c'est très difficile. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais ça se voit pas forcément. Hein. Ah, c'est presque une maladie invisible. Hein, C'est une maladie invisible. Alors oui et non, ça se voit dans le comportement. Ça se voit dans le comportement. C'est visible dans le comportement, mais c'est pas visible physiquement. Oui, il faut vraiment connaître la personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, tout ça, tu peux t'en apercevoir. Rappelons que le trouble bipolaire, c'est un trouble de la personnalité et du comportement. Oui. Donc c'est invisible. Voilà, physiquement c'est invisible parce que c'est en soi, mais par contre, le comportement, dès que t'as un comportement, tu le vois forcément. Mais c'est pas pour autant qu'il faut juger. La schizophrénie, c'est pareil. Hein, ah mais là c'est, pour moi, c'est plus difficile. Je dis franchement parce que la schizophrénie, c'est vraiment compliqué. Ouais. Ensuite, on parle des troubles de santé invalidants. Alors, certaines maladies comme la sclérose en plaques, on en a parlé tout à l'heure, le cancer, le VIH, le diabète et aussi l'hyperthyroïdie, donc ça c'est la gorge, qui entraîne en fait des déficiences ou des contraintes plus ou moins importantes qui peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. Alors, la fatigue induite par la maladie et son traitement devra également être prise en compte. Contrairement aux différentes déficiences évoquées précédemment, liées à l'altération d'une fonction, donc motrice, sensorielle et mentale, ces maladies que je vous ai citées impliquent souvent, principalement pour des raisons liées à la fatigue, une activité réduite en termes de charge de travail ou de durée. Ces troubles et leurs conséquences sont trop diversifiés pour pouvoir être détaillés. Néanmoins, l'attitude à adopter relève du bon sens. Elle requiert également des qualités comme la discrétion, le tact et le respect de la personne. Mmh. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est diabète, cancer, voilà, surtout respecter la personne et ne jugez pas. Et voilà, votre attitude, ça relève du bon sens, quoi. Tout dépend de votre attitude quelque part. Ça dépend pas de la maladie de l'autre. Ça dépend aussi de votre attitude à chacun. Si vous comportez bien, vous avez une attitude de décent. Je pense que ça peut rentrer dans l'éducation aussi. Je pense que tu as raison sur ce coup-là. Parce que. Ça rentre dans l'éducation des personnes. Je pense aussi. Disons que dans l'éducation, il y a quelqu'un qui doit être responsable de ses actes et de ses. Pas si sûr que ça soit responsable. Je pense qu'il y en a qui se disent, ça m'arrivera pas. Oui, voilà. Et je pense que tant que les personnes se mettent en tête que ça ne m'arrive, que ça leur arrivera pas. Ouais, mais. Et ben, quand ils s'en aperçoivent qu'il est trop tard aussi. Trop tard. Mais c'est pas ça, peu importe. Mais quand non, mais voilà, c'est qu'ils prennent conscience que voilà, ils sont pas tout seuls et que. Donc pour moi, ils se disent que tant que ça les atteint pas, d'une part ça les atteint pas, et deux ils se disent que ça leur concerne pas, et de trois ça leur arrivera jamais. Ouais.
C'est pour ça qu'il y a toutes ces barrières de différence. C'est pour ça que tout ce qui est différent envers eux, ben ça choque, ça dérange, mmh. Et on fait de la discrimination pure et simple. C'est-à-dire qu'ils séparent, qu'ils se mettent, qu'ils écartent leurs personnes de leur cercle d'amis, qu'ils leur mettent même à l'écart, même dans leur cercle d'amis. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange. Je l'ai pas dit parce qu'une personne handicapée, dès qu'il y a une personne qui devient handicapée, les amis les rejettent. Leur cercle d'amis et même la famille rejettent une personne dès qu'elle est handicapée, dès qu'elle n'est plus en situation de travailler. Moi, je trouve ça tellement dégueulasse et dégradant de faire ce genre de comportement. Moi, je trouve ça honteux, personnellement. Ah, donc, personnellement, c'est pas parce qu'une personne est différente, parce qu'elle ne peut plus travailler, parce qu'elle elle souffre d'un handicap, qu'il faut les mettre à l'écart et qu'il faut se dire, bon, ben, écoute, t'es handicapé, tu travailles plus, ben, écoute, tu m'intéresses plus, t'es plus dans mon cercle d'amis, tu n'es plus, on va dire, au même niveau que moi, quelque part. En gros, c'est un petit peu ça. Il faut comprendre aussi que les personnes qui sont handicapées, parfois, on supporte moins les problèmes. Mais en quoi c'est différent ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a certains, ils supportent pas ça, ils veulent qu'une personne, elle soit toujours pareille, toujours la même humeur, que s'il y a un problème, à l'handicapé, ils la rejetteront plus qu'une autre. Qu'est-ce qui te permet, personnellement, je vais te poser une question, Nico, qu'est-ce qui te permet de dire que l'handicapé, il ne souffre pas plus que nous? Un handicapé, il souffre plus que les autres, je pense. Moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui se permet, quelque part, que ce soit avant ou après? Imaginons que demain, ton meilleur ami souffre d'un handicap, je sais pas, voilà, qu'il a un accident. Et il est en fauteuil roulant. Malheureusement, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu fais du lendemain, du jour au lendemain? Est-ce que pour toi, il reste ton meilleur ami parce que avec tout le parcours tout ça, ou parce qu'il est différent, tu le rejettes et parce qu'il n'est plus dans ton niveau, on va dire. Il restera mon meilleur ami. Malheureusement, il y en a plein qui fonctionnent pas comme ça. Parce que dès que tu changes, dès que tu bascules au niveau de ta vie, dès que tu changes de situation, dès que tu changes ta situation, que ce soit au niveau du handicap, dès que tu deviens paraplégique, dès que tu es plus tout ça, parce que d'une part, il y en a, dès que le fait que tu travailles pas, donc déjà ça dérange. Deuxièmement, le fait que tu es différent, que tu peux pas marcher, tu peux pas faire des activités comme tes amis, ça dérange. Tu ne peux pas faire des sorties comme lui, ça dérange. Donc malheureusement, il y a plein de personnes qui se disent, mais écoute, il a basculé comme ça. Je vais le laisser comme ça. Il n'est plus dans mon niveau. Mais regarde, reste dans ton coin. Il y en a qui fonctionnent comme ça, malheureusement. Tu prends juste un exemple. Ceux qui font les JO paraplégiques, les paralympiques. Franchement, faut vraiment qu'ils ont. Alors là, t'as souligné quelque chose de très fort. Parce que franchement, c'est émouvant. Est-ce que vous les avez vus cette année les jeux paralympiques? Non. Bon, à chaque fois qu'on regarde ça, c'est émouvant. Là, ils ont réussi à les mettre sur France 4. Émouvant, mais c'est émouvant, quoi. Surtout qu'il y en a qui font des courses à une jambe. Mais t'apprends une humilité. Une leçon de vie aussi. Une leçon de vie, là, mais tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, c'est pas possible, comment ils font? Et moi, j'ai vu aussi quelqu'un qui avait les deux bras. Ça a fait le tour de Facebook. Quelqu'un qui faisait avec les deux bras et les deux jambes en moins. Ouais. Il faisait quelque chose avec ça. Je crois qu'il sautait, je sais plus où. Il faisait un truc extraordinaire. Il y avait une leçon de vie aussi sur Facebook par rapport à ça. Je me suis dit, mais mince, quoi. Ben, regarde la personne qui fait du judo. Mmh. Ils en ont parlé dans un reportage où qu'avait les deux jambes coupées et où il lui manquait un bras. Mmh. Et ben je vais te dire, il est champion de sa catégorie. Ah mais de toute façon, ça par contre, ça souligne. Il est champion du monde de sa catégorie. T'as souligné quelque chose d'émouvant parce que c'est vrai que quand tu regardes les jeux paralympiques et que tu vois. Il y en a qui font des courses avec deux jambes en moins. Avec les fauteuils roulants, les basketteurs, les skis. J'ai vu des skis cette année. Ils sont en train encore de... Mais moi perso, je préfère plus regarder les jeux paralympiques que les jeux normaux. C'est émouvant, mais ça c'est très émouvant. Ça, je veux dire. Tu les as vus cette année sur France 4? C'est différent. C'est différent quand on voit les Jeux paralympiques. Bah déjà, c'est plus émouvant. Ça
Il y a beaucoup d'émotions, hein. Ah, très très, c'est très touchant de voir ça. Mais tu ressens le. Et vous savez quelle est la première. Ils communiquent selon leur sport, mais tu les. Et aussi surprenant que ça puisse paraître. Est-ce que vous connaissez. Alors j'espère que je vais pas me tromper. Est-ce que vous connaissez qui est la première nation gagnante aux Jeux paralympiques? Les États-Unis. Non, c'est la France. Il me semble que c'est la France. Il me semble avoir. À regarder sur Internet. Il me semble que la France. Vous voyez que je regarde, c'est quoi, vous voulez quoi? Les Jeux paralympiques au niveau des médailles. Tu fais par rapport. Il me semble que c'est la France. Paralympique de cette année. Essaye de trouver, ouais. Bon, quoi, ouais. En attendant. Le temps que je vous trouve, je coupe mon petit micro. Voilà, donc, okay. Comme ça, je vais en même temps parler de des conseils sur le handicap en général cette fois. Ouais. Donc, il faut. Alors là, c'est très important ce que je vais dire parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. En général, il faut éviter toute approche compassionnelle. Alors, tout ce qui est. Pitié. Ah ouais, non, ça. Tout ce qui est par pitié, tout ce qui est forcing, non merci. Alors là, c'est très clair. Si vous vous approchez d'une personne handicapée par pitié ou par forcing, oubliez. Alors déjà, c'est clair. Même pas la peine de rêver. Ça, c'est genre d'attitude. Franchement, je les déplore haut et fort. Je les dis clairement, c'est non merci, quoi. Deuxième point aussi important, c'est que veillez à toujours respecter la limite qui sépare la vie professionnelle de la vie privée. Ah oui, non. Deux choses différentes, professionnelle et privée. Alors là, c'est de toute façon en général. Hein. Donc là, c'est pas forcément au niveau des handicapés, mais vraiment en général, arrêtez de mélanger vie privée et vie professionnelle, comme ça au moins ça sera fait. Troisième point aussi, si vous pensez qu'une personne a besoin de votre aide, proposez-la lui en premier. Faut pas vous imposer, hein. C'est très important. Il faut d'abord vous proposer votre aide. Vous vous imposez pas. Vous dire bon, bah, écoutez, vas-y, je vais t'aider contre ta volonté. Non. Vous proposez votre aide en premier. Ça c'est très très important. Et si jamais la personne handicapée refuse votre aide, il faut surtout pas vous offusquer, parce que l'autonomie est souvent le maître mot de la personne porteuse d'un handicap. C'est très important. L'attitude en général à adopter avec une personne en situation de handicap relève du bon sens. C'est tout simplement ça en général. Et il faut aussi, là j'ai un chiffre, que 29% des Français ont changé de regard sur le handicap de manière positive entre 2008 et 2011. C'est pas suffisant, 29%, mais c'est une première belle avancée positive ces dernières années. Et il faut oublier, c'est pas encore assez. C'est pas assez, effectivement. Et une fois sur deux, ce changement est dû à une expérience vécue dans la vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite avant qu'on fasse une pause? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Parce que là, on a fini sur les conseils. On va pas tarder à passer à la deuxième partie du handicap, c'est-à-dire lié à l'activité professionnelle et les discriminations, bien sûr. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant la pause? Juste, je peux vous rajouter juste pour les Jeux paralympiques. J'arrive même plus à dire la phrase paralympique de Londres. C'est ça que vous voulez savoir? J'étais parti sur c'est les derniers. J'étais parti sur 2014, mais pourquoi pas. Donc 2012, alors vas-y. Alors 2012, donc c'était la France était 16e, donc c'était le premier, c'était la Chine, et donc maintenant c'est eux que je cherche 2014. 2014, mais ça c'est. Je vous dirai ça après. Voilà. Paralympique 2014, je crois que la France est passée. Il me semble que la France cette année. Je vous confirmerai, hein. Mais pour l'instant, à Londres, c'était la Chine. Oui, mais c'est pas la même chose été hiver, c'est pour ça que. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va faire la popose tranquille, hein, tranquille mais sûrement. On va donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter vite fait avant que je mette mes petites pauses? Non, mais voilà, je vais juste rajouter une chose, c'est simplement de rester soi-même et de pas de dénigrer les personnes qui sont handicapées, parce que ça peut vous arriver du jour au lendemain et que c'est pas une fois qu'il est trop tard qu'il faut dire ah bah si j'avais su j'aurais été moins égoïste. C'est une façon, c'est quelque chose qu'on dit très couramment, je sais que vous l'entendez très souvent cette phrase, mais c'est vrai. Que ce soit pour la misère, la santé, toutes les discriminations, on aura toujours le même discours tant que les gens comprendront pas qu'il faut vivre
ensemble et voilà, c'est tout. Donc on va reprendre le sujet un peu plus sérieusement sur le handicap. Donc on va aller cette fois sur le domaine de l'activité professionnelle. Alors il y a plusieurs lois que je vais vous dire, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, d'autres pas. Rappelons d'abord la loi de 1898. Oui, il y a une loi qui date de 1898 sur les accidents du travail qui met à la charge de l'employeur une assurance permettant le versement d'une indemnisation au titre des infirmités acquises dans le cadre du travail. Est-ce que ça, vous étiez au courant de cette loi ? Les accidents du travail, ça, je savais qu'il y avait une assurance spécifique. Ouais, voilà. Mais maintenant tu es au courant, c'est sur l'accident du travail et maladie professionnelle. Voilà ce que c'est que au niveau de la loi de 1898. Après, il y a la loi de 2005, cette fois, qui est beaucoup plus récente, qui définit en fait le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En gros, c'est en tout ce qu'on a dit au début de l'émission, mais tout ça regroupé, voilà, c'est la loi de 2005 et qui définit le handicap dans le cadre de l'emploi. Et cette loi de 2005, alors auparavant, seules les personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, qu'on appelle la RQTH, bénéficiaient de l'obligation d'emploi. Jusque-là, vous suivez. Maintenant, cette loi de 2005 a élargi le champ du handicap. Désormais, les catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, le fameux BOE, sont plus nombreuses et leurs droits ont été étendus. Lorsque dans le présent guide, il est fait référence aux personnes en situation de handicap, il s'agit de l'ensemble de ces nouveaux bénéficiaires. La notion de handicap recouvre donc une multitude de situations liées aux différents types de handicap et à la façon dont l'individu le compense personnellement. C'est pourquoi pour un handicap de même nature, les besoins exprimés peuvent varier d'une personne à l'autre. Ah oui, ça c'est sûr. Autre chose, question qui est très intéressante, c'est qu'est-ce que l'inaptitude à l'emploi ? Alors ça, c'est très intéressant parce que vous savez que ça, c'est reconnu par la MDPH. À l'époque, c'était la Cotorep. Donc, lorsqu'un agent, en fait, n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions pour raison de santé, il peut être déclaré inapte de façon temporaire, de façon temporaire ou définitive. Cette inaptitude est constatée par le comité médical dans le cas d'une réintégration suite à un congé maladie ordinaire de plus de 6 mois, de longue maladie ou de longue durée aussi, ou par un médecin de prévention lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié préalablement d'un congé maladie. Là, j'ai un chiffre aussi, c'est qu'en France, en 2008, 2,5 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans et vivant à domicile déclarent avoir une reconnaissance administrative du handicap leur permettant de bénéficier de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est un chiffre de 2008. 2,5 millions, c'est beaucoup, hein. C'est pas pour dire, mais c'est quand même énorme comme chiffre. Enfin, rien que pour la France, oui, parce qu'en 2008, donc ça a dû augmenter un petit peu entre-temps. Ensuite, les personnes handicapées encourent davantage de risques d'être victimes de violences et de viols. Alors là, nous sommes dans les conditions sociales cette fois. Et elles ont moins de chances d'obtenir une intervention de la police, une protection juridique ou des soins préventifs. Et ça, c'est déplorable, ça, par contre. C'est ignoble. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, le chômage des personnes en situation de handicap qui est atteint de 80% dans de nombreux pays, 2/3 des chômeurs handicapés assuraient qu'ils aimeraient travailler mais n'arrivaient pas à trouver un emploi. Les personnes en situation de handicap sont également et souvent confinées dans des emplois peu qualifiés, mal payés, avec peu ou pas du tout de protection sociale et juridique. Et là, nous rentrons totalement dans la discrimination. En situation de handicap. Donc là, c'est totalement ignoble. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis franchement, parce que malheureusement, 2/3 des chômeurs handicapés, hein, c'est quand même énorme comme chiffre. C'est pas une plaisanterie, c'est des chiffres réels que je vous dis. Et là, franchement, il faut vraiment dénoncer ce genre d'attitude qu'une personne handicapée qui veut travailler, qui est capable de travailler, eh bien, il faut arrêter de le prendre comme un soufi, quoi. En gros, il est loin d'être incompétent, il est loin d'être déjà quand ils peuvent travailler, ben ils peuvent travailler, et puis il y en a qui veulent travailler aussi. Les handicapés n'ont pas forcément envie d'être isolés, n'ont pas forcément envie de rien faire. Et mais ce que je trouve déplorable, c'est d'utiliser leur déficience et leur état quelque part de handicap
en leur mettant les mettre en catégorie on va dire sous-citoyens, sous-développés, sous on va dire ils ont des compétences énormes, les handicapés. Ils en ont plus que nous. Et en plus mal payé. Mal payé, ça par contre je trouve ça déplorable parce que je trouve que c'est pas normal, c'est pas normal. Non, c'est pas clair. Normal et que je faut le dire aussi. Après de les mettre les confiner dans des emplois peu qualifiés, comment ils veulent et comment ils veulent avoir des compétences et des qualifications si on les met dans des emplois peu on va dire pas forcément conventionnels mais peu adaptés. On leur fait plier le courrier, par exemple. On fait plier le courrier, on met dans des enveloppes. Alors, on les met dans des enveloppes alors que c'est pas leur recherche d'emploi. Non. Alors c'est pas normal, ça. Je suis désolé. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer, qu'il faut dire. Je suis désolé. Les handicapés ne sont pas des sous fifres au niveau compétences professionnelles. C'est pas parce qu'ils ont des moyens plus restreints. Et de travailler qu'il faut les mettre au plus bas de l'échelle quoi au niveau de je sais pas comment vous dire juste un exemple à te donner à Pôle emploi à Bastide on a une personne qui est en fauteuil roulant et qui est conseillère qui est conseillère d'orientation et elle est en fauteuil roulant. Oui, mais alors, conseillère d'orientation, tu peux être conseillère d'orientation sur un fauteuil roulant. Parce que, Pôle emploi, Mais physiquement, là, on parle au niveau physique. Par exemple, s'il y a un handicapé qui veut faire palefrenier, par exemple. Tiens, soyons fous. Est-ce que vous savez ce que c'est que palefrenier, au moins? Non. Non. Non? C'est quoi, palefrenier? Ben, palefrenier, c'est la personne qui s'occupe des chevaux, de l'entretien des boxes. Ou quelqu'un qui veut faire, ou alors quelqu'un, est-ce que, j'ai dit vraiment au hasard, quelqu'un qui veut être dans le, dans les préparations de commandes. Après, tu peux toujours adapter selon les. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'il y en a qui demandent la rapidité. Et forcément, ils se disent, un handicapé n'est pas forcément rapide. Tu apprendras qu'il y a une loi qui est passée, je ne sais plus à quelle date, il y a une loi qui est passée pour les chefs d'entreprise, qu'ils avaient obligation d'embaucher 20% de leur personnel. C'est des handicapés. Peu importe. Moi, ce que j'ai dit, c'est pourquoi embaucher les handicapés si c'est pour après les mettre dans des emplois de sous-catégorie. Pourquoi les mettre dans des emplois de sous-catégorie? C'est carrément un manque de respect total. Je suis désolé. On ne peut pas dire à un handicapé, moi, je souhaite être manutentionnaire et puis après, tu seras pas manutentionnaire, tu vas faire les affiches. C'est un exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est vrai ce que je vous dis. Ça arrive fréquemment. Et ce problème-là, il devrait même plus exister. Le problème, il est là. Les pattes. Essaye encore. Attends, est-ce que je peux dire? Essaye encore. Vas-y, tu vas y arriver, Nico. Oui. Les patrons, en fait, ils aiment pas la lenteur. Ils veulent la rapidité. Donc, ils doivent prendre des. Ils disent, on va prendre quelqu'un qui n'est pas handicapé, qui est jeune, qui alors, a. Oui, mais ça, c'est obligatoire. Ils ont une obligation par la loi de prendre des personnes handicapées. Ils peuvent payer des amendes. Alors, accepte exactement, mais ça on en parlera plus tard. Tu sais que ça peut monter très vite. Hein. Je rappelle un détail aussi au niveau du travail. Je rappelle qu'il y a aussi des handicaps qui ne se voient pas. Voilà. Et là, je vais en parler parce qu'on parle de handicap invisible. C'est un handicap qui n'est pas apparent, bien sûr. Ce qui revient pour un individu au fait d'avoir une limitation durable des possibilités d'interaction sans que l'entourage puisse aisément comprendre qu'il s'agit bien d'un handicap. Si l'invisibilité est relative à la perception de son propre handicap, on parle donc d'anosognosie. C'est pas facile à dire. Anosognosie. Je l'ai dit, ça y est. Donc 80% des handicaps, écoutez bien ce chiffre, c'est impressionnant. 80% des handicaps sont invisibles. 80%, c'est quand même impressionnant. Cette notion est apparue comme une distinction relativement au handicap visible. Les troubles dont il est question sont pour la plupart incomparables entre eux dans la nature des affections et le type de handicap qu'elles créent. La plupart sont présentés comme le handicap invisible en ignorant les autres. À titre d'exemple, on peut distinguer parmi les plus souvent cités. Alors, je vais vous donner des exemples. Concernant les troubles psychiques ou cognitifs, comme les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. C'est un exemple. Il y a les lésions cérébrales acquises. Les AVC, ça se voit pas.
On les voit pas, les AVC. Et les traumatismes crâniens aussi. Ouais, ça. Il y a le TDAH, je sais pas ce que c'est, mais je vous le dis. Et il y a aussi le syndrome d'Asperger aussi, ou encore les 10, alors les 10, c'est-à-dire les dyspraxies, les dyslexies, les dyscalculies. Voilà, tout ce qui est 10, quoi, DYS, tout ça, ça fait partie des troubles, des handicaps invisibles. Au niveau physique, lorsque ces handicaps sont discrets, par exemple les surdités, le daltonisme ou la malvoyance. C'est forcément, ça se voit pas forcément. Et aussi de la motricité directe ou indirecte, comme par exemple la hernie discale, c'est ce que j'ai. Il y a aussi le rhumatisme ou le souffle au cœur. C'est pas visible. Autre chose, c'est les troubles liés à certaines maladies invalidantes, donc la sclérose en plaques qu'on a parlé tout à l'heure, le diabète, l'hémophilie, l'épilepsie, certaines phases du cancer, du sida, etc. Donc tout ça, c'est invisible aussi. Mais aussi la douleur chronique liée à ces maladies ou à des affections typiquement douloureuses, comme par exemple la fibromyalgie. Voilà, c'est tout ça, tous les exemples que je vous ai cités, ce sont des handicaps invisibles. Mmh. Et ça se voit pas forcément. Donc, malheureusement, il y en a qui malheureusement se disent, ah ben toi t'es pas handicapé. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut se dire. Malheureusement, c'est un handicap reconnu invisible, mais que les gens se disent c'est pas un handicap, parce que pour eux, les gens se mettent en tête qu'un handicap c'est fauteuil roulant. Or malheureusement, c'est pas parce que t'es pas en fauteuil roulant que t'es pas forcément handicapé. Et que quand tu souffres d'une maladie qui est un handicap, que tu es intérieur et que tu sais ce que tu ressens, parce que seule la personne qui le vit comprend ce que c'est et le ressent. Et le problème c'est que les gens ne perçoivent pas ça, ils perçoivent différemment, parce que pour eux, comme on ne voit pas, et ben pour eux, c'est pas un handicap. Et moi, je trouve ça. Et dans le monde du travail, c'est là où je voulais en venir, c'est malheureusement le cas. Ah, mais. Donc, le problème, il est là. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ça? Merci, d'accord. J'ai perdu mes Skypeurs, j'ai l'impression. Ou alors, ils ont peut-être bu un coup entre temps. Non, ça va, tout va bien? D'accord, bon, mais c'est pas grave, il n'y a plus personne, mais c'est pas grave. Ça va, non, on n'a pas de questions. Bon, ben c'est pas grave, donc en gros, tu vas me dire que j'ai tout dit, c'est ça? Oui, ouais. Merci. C'est pas parce que j'ai tout dit. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le travail qui sont intolérables, et ça, c'est. Et c'est pas parce que j'ai tout dit. Il y en a des patrons, et c'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'il y en a qui en abusent de ce truc. De leur pouvoir de chef d'entreprise, ils en abusent pour discriminer, mais à longueur de temps, leurs employés, ça, c'est abusé. Là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex. De toute façon, même par décennie, c'est toujours la même chose. Ça est toujours comme ça. Les patrons, c'est toujours, ils abusent. Donc, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex, de ce point de vue. Mais moi, voilà, personnellement, je dis qu'ils abusent complètement, mais pas forcément qu'avec les personnes invalides, hein, handicapées. Hein. Mais c'est avec tout le monde, c'est leur pouvoir qui font que... Voilà, et toi, pour garder ta place, t'es obligé de fermer ta gueule, en gros... Alors, c'est bien que vous faites un petit peu la transition dans cette histoire. Je vais vous raconter un témoignage. Un témoignage qui s'appelle, alors le titre déjà, rien que le titre, ça va vous faire mal. Le titre qui dit « Je suis un anormal ». D'accord. Alors écoutez bien le texte. C'est pas les gens ce qu'ils disent, c'est son histoire, c'est son vécu, son parcours. Et voilà ce qu'il a dit dans son témoignage. Il dit « Je suis un anormal. On l'a dit assez. Je l'ai senti. Les mouvements des yeux qui passent à l'examen, chaque parcelle de mon être me l'apprennent. Tel regard fixe le mien puis descend, là précisément où se trouve la preuve qu'il cherche. Il est handicapé. » Donc ça, c'est ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui dit ça, il est handicapé. « Ce que la plupart des gens perçoivent, c'est l'étrangeté des gestes, la lenteur des paroles, la démarche qui dérange. Ce qui se cache derrière, ils le méconnaissent. » Donc les spasmes, les rictus, perte d'équilibre. « Ils se retranchent derrière un regard sans appel. » Les gens disent comme ça, « Voici un débile. » Difficile de changer cette première impression, douloureux de s'y voir réduit sans pouvoir s'expliquer. Soutenir les regards est un exercice quotidien, car il s'agit bien là de s'exercer à ne pas croire le regard qui m'installe au rang de malheureux, s'exercer à ne pas conditionner mon bonheur à l'autre. Je me souviens de cette froide journée d'hiver, grise et sombre. Dans la salle d'attente de la gare, je suis seul à attendre mon train. Une jeune femme entre alors que je déambule pour conjurer le froid.
Bientôt, je m'aperçois que la braguette de mon pantalon est ouverte. À la discrétion qui me caractérise, je m'évertue de tirer vers le haut cette rétive. Les yeux m'épient. Peur, fuite, donc. La jeune femme quitte précipitamment la salle, carrément. Ce regard n'a vu de moi que des gestes désordonnés. Pour elle, je n'étais qu'un handicapé, un débile. Le débile pouvait devenir dangereux. Peut-être même cachait-il un pervers. J'entre dans le train dépité et triste. Je la vois assise, en face d'elle un siège vide. Tout m'invite à m'y asseoir, mu par la rage. Et il a dit ceci, donc le témoin, il a dit ceci, on va lui montrer à cette conne. Bon, on passe pas par la violence, mais je me mets à sa place. Ouais, mais bon, voilà. J'ai pas fini. Mais bientôt, je me calme, donc il s'est calmé. Pourquoi la traiter ainsi de conne et ne pas supporter qu'elle me traite en handicapé? Vous voyez ce que je veux dire? Paradoxe dans tout ça. Incohérence dans laquelle je trouve une invitation à la tolérance qui pourrait nourrir la délicatesse qu'elle n'a pas eue. S'il est un handicap physique qui oppresse et qui réclame un joyeux combat pour l'assumer, il en est un peu plus douloureux, c'est le handicap social. Être jugé, réduit à l'étiquette de handicapé par le regard de l'autre, c'est un douloureux obstacle, une pénible réduction. Souvent, ce regard me rappelle que je suis handicapé et ne retient de moi à ce qui dysfonctionne. Comment briser cette étiquette? Comment convertir ce regard? Accepter un handicap ou une faiblesse et réclame un engagement constant, mais accepter, est-ce le mot exact? Je ne le pense pas, comme il dit. Devant la faiblesse est requise une posture paradoxale. D'une part, je dois m'aimer comme je suis. D'autre part, je dois progresser, m'améliorer. Il me faut donc tout mettre en œuvre pour lutter contre le mal, assumer ce qui ne peut être changé et progresser. Rien n'est pire que la résignation béate, la capitulation prématurée. Voilà, ça c'était le témoignage. Donc forcément, vous avez remarqué que c'est sur le regard. Vous avez remarqué le sujet. Mais bon, voilà, il est. Donc j'ai une question. On en a un petit peu parlé au début. Qu'est-ce qui, d'après vous, rend mal à l'aise la société face au handicap? Quelles sont pour vous les raisons de ce malaise de la société, en fait? Le regard ou le jugement. Alors attention, c'est le contraire. C'est pas ce que l'handicapé ressent. C'est qu'est-ce que pour vous, mais si on se met à la place de la société qui juge l'handicap, d'après vous, pourquoi ce malaise? Pourquoi tous ces regards, tous ces problèmes, tous ces jugements? Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils se disent qu'ils sont intouchables là-dessus. Le problème, il est là. C'est qu'ils se pensent intouchables. Mais ils savent très bien que ça peut leur arriver du jour au lendemain. Et ça, la vie est une fatalité que tu peux pas maîtriser. Alors, j'ai une réponse. Alors, c'est un psychanalyste qui a répondu à cette question. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette réponse. Donc, pour le psychanalyste, il trouve qu'il y a plusieurs raisons à cela. Qui répondrait que cela renvoie à une peur primaire et inconsciente de la contagion. Via le seul regard, la crainte d'être touché à son tour, d'être atteint. Alors pourquoi? Parce que nous sommes hantés par un sentiment plus ou moins fort et inconscient de culpabilité. Pourquoi lui et pas moi? Est-ce que je ne le mérite pas? Moi aussi. Est-ce que je ne mérite pas moi aussi? Est-ce que cela ne va pas m'arriver? On y revient. Moi qui ai une telle attitude, une telle pensée, telle parole. C'est comme si au fond de nous et de façon tout à fait irrationnelle, le handicap tenait lieu de châtiment. Par ailleurs, le handicap interroge et bouscule ce que nous appelons la normalité. Il ne rentre pas dans son moule, il ne suit pas ses règles et cela nous insécurise, surtout dans une société où la norme sociale pèse si lourdement. Enfin, et toujours dans ce jeu de miroir et d'identification, le handicap nous confronte à ce que nous refoulons pour bien vivre au quotidien, la conscience des limites du vivant, du risque de l'amoindrissement, du déficit. Il nous renvoie à la fragilité en général et à toutes nos fragilités en particulier. Tout ce qui fait que, au fond, nous sommes tous handicapés, chacun à sa façon, parce que nous avons tous des failles, des traumatismes et des faiblesses. C'est flagrant dans le film Intouchables. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu ce film. Quand Driss, qui est interprété par Omar Sy, est lui aussi un handicapé à sa manière. D'accord. Et vous savez, un handicapé social affectif avec ses cicatrices intérieures. Donc c'est ça en fait qui a été touché. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce film Intouchable. Nous on l'a personnellement. Ouais, nous on l'a vu. Et donc il est terrible ce mais film. Mais il y en a plein. Je vais prendre un exemple, ceux qui sont atteints du VIH, c'est pareil. Tu vois,
la comparaison, elle est peut-être pas la même, mais voilà, le regard, il devrait être. C'est selon les situations. Tu peux pas te permettre de juger une personne que tu connais pas forcément. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire? Est-ce que d'abord, ce que je viens de vous dire là, ce que la société juge, la façon que la société juge le handicap, est-ce que pour vous, ce que je viens de dire, c'est tout à fait justifié, ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont pas forcément plu, qui pour vous est faux? Ben, c'est mitigé pour moi. Pour moi, je suis mitigé. Je me dis que c'est une histoire de volonté de chacun, de mettre du sien de chacun. Mmh. C'est une histoire de volonté. Tu n'as pas à juger les personnes qui ne te jugent pas. Est-ce que quelqu'un veut rajouter Skype sur Skype, non? Pas vraiment. Moi, je pense que moi, je reprends à peu près comme Alex. Moi, je suis dans le même avis que lui. Et moi, je dirais aussi peut-être mitigé, mais un truc à rajouter, c'est aussi de ne pas juger les personnes handicapées. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on a dit depuis. Oui, mais t'aimerais pas. Je ne vois pas pourquoi tu jugerais, or que tu n'aimes pas être jugé. Voilà, c'est ça. Le problème, il est là. C'est que les gens, ils sont tellement individualistes qu'ils en ont rien à faire. Ouais, mais bon, s'ils sont trop individualistes, de ce qui se passe autour. Ça sera toujours jamais en équipe, c'est ça. Non, voilà, le problème, il est là. C'est qu'ils sont tellement individualistes et qu'ils ont aura. Ils sont tellement enfermés dans leur bulle d'individualistes qu'ils s'aperçoivent même plus de ce qui peut. Alors, ça, vraiment, moi j'ai en train de me dire dans ma tête, c'est vraiment, il y a certains qui sont peut-être généreux ou d'autres pas généreux. Voilà. Alors, vous savez que notre saison 2014-2015 de l'association, c'est sur le vivre ensemble. Donc on va en parler un petit peu vite fait. Avant toute chose, par rapport à ça, c'est qu'il faut rappeler que la personne handicapée, c'est l'autre avec un grand A. D'accord. Le différent de moi. C'est un peu philosophique ce que je vais vous dire. Donc c'est l'autre avec un grand A et le différent de moi. Donc plus nous sommes amenés à vivre parmi des personnes différentes, plus nous acceptons ces différences, moins elles nous inquiètent. C'est aussi simple que cela. Mais si cela est loin d'être acquis, c'est parce que c'est un long processus et qu'il rencontrera toujours des résistances intérieures, inconscientes, mais avec plus de souplesse et de douceur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour rapport au vivre ensemble, le handicap a longtemps été caché dans nos sociétés occidentales, soit par honte, soit pour ne pas avoir à l'imposer aux autres, soit par méconnaissance médicale, et soit encore parce qu'il pouvait être considéré comme une punition de Dieu. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les religieux. C'est les religieux qui disent ça. Oh purée, mais c'est n'importe quoi. Oh, c'est ce qu'on dit. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, la médecine a apporté son éclairage sur le handicap. Des noms sont maintenant mis sur des maladies, tant mentales que physiques, restées longtemps inconnues. Elles ne sont donc plus taboues. Le personnel médical et paramédical est formé pour aider, accompagner la personne handicapée et son entourage familial. Ça, c'est clair. C'est pas fini. Le regard de la société, des politiques, des médias a beaucoup changé, même s'il reste encore des chemins à faire. Et ça, c'est vrai. Force est de constater qu'il y a une forte prise de conscience du handicap, une volonté d'aider, d'améliorer le quotidien de la personne handicapée, mais nos peurs, notre indélicatesse, parfois sont souvent des barrières au progrès. L'insertion des handicapés dans le monde du travail reste encore une question très délicate à laquelle ils sont malheureusement confrontés durement lorsqu'il s'agit pour eux de rechercher un emploi. Malgré l'aide reçue de l'État par les entreprises lorsqu'elles embauchent une personne handicapée, certaines préfèrent encore ne pas avoir d'aide et n'avoir parmi leurs salariés que des personnes valides. Donc pourquoi ça? Parce que peut-être pour éviter justement de faire les équipes. Tout simplement par rapport aux équipements. Le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot peur en fait. Mmh. C'est la peur du changement de l'entreprise. Peut-être parce que de toute façon, s'ils ont toujours peur, tout ça, ils avanceront jamais. Alors la peur en fait, retrouver face à sa propre peur déjà d'une part, peur aussi de la différence, peur que cet état devienne aussi le nôtre un jour ou celui de nos proches. Vrai oui et non. Mais alors peur qu'on ait peur, oui, mais est-ce que c'est une raison d'exclure et de refouler les personnes handicapées? Ils n'ont pas choisi ça. Le problème, si les entreprises n'embauchent pas, préfèrent payer des amendes par rapport aux handicapés, c'est parce qu'ils veulent pas moderniser leur entreprise. Mm-hmm. S'ils embauchent des handicapés, ça veut dire qu'ils sont obligés. Par exemple, s'ils embauchent une personne qui a un fauteuil roulant, ça veut dire qu'ils sont obligés de construire devant l'entreprise une rampe pour accéder. Il faut qu'ils adaptent une machine exprès
par rapport à... C'est pas logique. C'est... Mais c'est un coût financier, non, c'est une histoire de finance. C'est pas logique. Je sais bien. Peur que cela nous arrive, je peux comprendre, à tout le monde, ça, on peut avoir peur, mais qu'est-ce qui explique de rejeter, de refouler la personne handicapée elle-même? Elle n'a rien demandé, elle n'y est pour rien. Mais non, elle n'est pas responsable. Problème, non, c'est la peur de mais de peur de quoi? C'est pas contagieux, est-ce que je sache le handicap? Non, mais c'est de débourser des. Regarde, Alex, moi je peux te citer un truc, c'est que moi, je connaissais quelqu'un qui est handicapé. J'ai toujours mes deux jambes. Hein, j'ai pas eu peur. C'est hallucinant. Moi, j'ai affronté la peur. Alors déjà, les gens qui ont peur, faut arrêter un peu leur cinéma, qu'ils affrontent un peu leur peur. Mais par rapport aux entreprises, le problème, c'est que c'est une question financière. Ça a peur, rien à voir du tout. Mais qu'ils arrêtent aussi d'avoir peur. C'est n'importe quoi. C'est un peu du n'importe quoi. C'est même pas le fait de dire oui, je vais employer un handicapé, c'est simplement de moderniser son entreprise. Non, c'est pas ça. Un handicapé peut travailler, on le sait très bien. C'est prouvé. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est pourquoi avoir peur d'un handicapé. Peur, on a le droit d'avoir peur. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai peur de la foule. C'est pas pour autant que je vais m'en prendre aux gens parce que j'ai peur de la foule. C'est idiot. C'est pas parce que t'as peur. C'est pas parce que c'est quoi la peur des homosexuels. Peut-être que t'as peur, Andy. Mais est-ce que toi, tu l'affrontes? Est-ce que toi, tu je l'affronte. T'affrontes ta peur. Bah, je suis obligé. Bien sûr, que je l'affronte, mais j'ai pas choisi. Donc, ils devraient aussi affronter leur peur. Oui, mais il y a une différence entre les handicapés. Je suis désolé, c'est un être humain. Je vois pas. Voilà, c'est ça. Voilà, à la base, c'est un être humain, comme. C'est pas un déchet, mais ce que je comprends pas, c'est la peur que ça leur arrive. Je peux comprendre. Mmh. Ça, c'est normal. C'est quelque chose qui est logique et normal. Mais bien sûr qu'on peut avoir peur de un jour ou l'autre d'être handicapé, d'être confronté à cette situation. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça excuse pour autant de refouler la personne handicapée même qui n'a rien demandé, qui n'est pas responsable, elle a rien fait de mal à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour mériter autant d'exclusion? Comme je t'ai dit, on a expliqué plusieurs fois, c'est que dans les gens, et il y a comme dit Alex, certains patrons, peut-être qu'ils ont peur de pas les prendre. D'autres, voilà, mais c'est de la faut arrêter c'est un pas, peu. C'est pas que j'attaque les autres. J'ai un peu l'impression que les patrons, ils veulent de la main-d'œuvre facile aussi. Certains patrons, je dis pas tous. Et ils pensent que l'handicapé, c'est pas. Même un handicapé qui soit motrice ou je sais pas quoi, il peut aussi travailler, hein. Même qu'il a perdu peut-être un bras, il travaille aussi. Hein. Je vais te dire. J'en ai bien vu quand j'ai travaillé des fois dans des petites missions, j'en ai bien vu un. Il a perdu son bras, il travaille. Mais bon, voilà, c'est que certains patrons, ils affrontent peut-être la peur. Et après, voilà, il faut arrêter aussi que c'est les patrons qui ont peur pour pas qu'ils embauchent les handicapés. Il faut arrêter un tout petit peu. Hein. Il faut qu'ils devraient affronter leur peur. Voilà. T'imagines qu'une entreprise qui ne fait pas les travaux, qui fait les travaux pour accueillir des fauteuils roulants dans une entreprise, c'est quand même, je sais pas exactement, je vais donner... un chiffre environ, je ne sais pas si c'est celui-là, c'est pas loin de 100 000 euros. T'en as pas loin de 100, voire 200 000 euros. Si je peux me permettre, on sort un petit peu du sujet. Là, on part du regard. Mais par rapport à l'emploi. On part du regard du handicap. Donc, il ne faudrait pas sortir. Ouais, moi, je parlais du regard. Non, mais voilà, c'est ça le problème. C'est que les entreprises, par rapport à ça, ont peur d'avoir une mauvaise image de leur entreprise s'ils embauchent des handicapés. Peu importe, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Le problème, il est là. C'est pour ça qu'il y en a qui refusent et qui payent des amendes. Mais c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même sujet là. Les travaux, c'est une autre chose, c'est une obligation comme dans les écoles, tout ce que vous voulez. Oui, mais ils devraient. Mais ce n'est pas le sujet. Pas parce que. Nous sommes pas dans le sujet. Nous sommes sur le regard du handicap. Pourquoi rejeter une personne handicapée parce que tout ça parce qu'elle a peur. C'est ça la question. Oui, mais. Il y a certains types de handicap, je pense que les patrons, ils ont réellement peur, je sais pas, qu'ils pourraient avoir un accident, quelque chose comme ça, alors ils préfèrent ne pas embaucher du tout. Mm-hmm. Je dis certains handicaps. Certains, mais. Ils veulent pas embaucher du tout. Mais pourquoi ils ne veulent pas? C'est ça la question. Pourquoi ils ne veulent pas?
Parce que s'il y a un accident, il se sent. Parce qu'un handicapé a plus de chances d'avoir un accident qu'une personne valide. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Je suis pas tellement d'accord. Là, je suis pas. Excusez-moi, mais. Je suis désolé, mais je suis. Vraiment. Je pense que ce serait peut-être plus la personne qui sera valide qui aura plus d'accidents qu'un handicapé. Je suis désolé, mais il faut faire. C'est ça que là, je comprends. Le problème, pas. Il est. Mais ouais, si, je suis désolé, mais il faut être logique. Ouais, mais bon, on n'arrivera jamais à comprendre pourquoi les BAM. Ouais, comme si on ne connaît pas. Comme Alex, on comprendra jamais leur décision. Ouais. Ben oui, mais pourtant, on cherche à comprendre. Parce que c'est le but, c'est de mieux comprendre. Le but aussi, c'est qu'un. Voilà, moi, personnellement, je ne comprends pas ces genres d'attitudes. Je peux comprendre. Voilà, il y a une chose que je comprends. La peur, oui, on a peur. On peut avoir peur demain d'être. Oui, pour ça, la peur, c'est totalement normal. Ça, c'est sûr. Mais après, pour la deuxième sujet que tu as dit, là je comprends pas aussi. Parce que là, c'est idiot. Enfin, oui, voilà, comme tu dis, c'est idiot. Oui. Est-ce que on va avancer. Est-ce que quelqu'un a vu le film Intouchable? Oui. Voilà. T'as pas vu le film? Alors déjà, je te conseille franchement de le voir, Cédric. Merci. Je te le conseille. En DVD, c'est pas cher, je te rassure. tu vas comprendre ce que ça veut. Alors en fait, si vous préférez, le regard de la population a quand même changé sur le handicap depuis 3 ans, depuis ce film Intouchable, notamment, parce que ce film a été plus efficace sur l'opinion que les campagnes nationales de sensibilisation. Pourquoi? Pas tant en raison des campagnes de sensibilisation ou des effets de la loi de 2005 que grâce au film Intouchable, ce que relève en fait un étonnant sondage IFOP mené auprès des salariés et des chefs d'entreprise pour association de gestion du fonds pour insertion professionnelle, donc c'est AGEFIPH, c'est une association, donc réalisé pour les 25 ans de cet organisme, et alors que s'annonce la semaine pour l'emploi des personnes handicapées il y a 2 ans, c'est du 12 au 16 novembre hein, au passage la semaine handicapée, donc je pense que pour nous cette année ça va être du 10 au 14 je pense, si je me trompe pas, pour cette année. Donc le sondage montre 14 novembre. Oui. Donc le sondage montre que les employeurs en fait désignent ce film à succès comme le principal facteur avec 34%. En fait, ayant contribué à faire évoluer le regard, au même titre que la rencontre avec une personne handicapée dans la vie personnelle, pour 34% des sondés. Autre événement cité comme déterminant, c'est les Jeux Paralympiques de Londres, on l'a dit tout à l'heure, avec 28%, devant les campagnes de communication sur le handicap avec 26%, l'expérience personnelle d'un accident ou d'une immobilisation avec 25%, et aussi l'effort fait par les entreprises pour l'intégration des personnes handicapées avec 23%. Donc ça, c'est un sondage qui dit ça. S'ils sont 60% de dirigeants d'entreprise et 56% de salariés à affirmer que leur regard a évolué de manière positive ces dernières années, un paradoxe malheureusement saisissant vient pourtant relativiser leur déclaration avec un cliché à la peau dure pour la très grande majorité des salariés, c'est-à-dire 80% et 72% des dirigeants, parce qu'un employé handicapé est selon eux une personne en fauteuil roulant. Donc voilà le préjugé grave. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Pour eux, un handicapé, c'est fauteuil roulant. Et malheureusement, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors qu'en fait, les handicapés, c'est pas uniquement fauteuil roulant. C'est aussi des handicaps invisibles qu'on voit pas forcément. Je parle par exemple la sclérose en plaques, notamment, qui me vient en premier en tête, qui ne se voit pas forcément et pourtant, voilà, qu'on ne voit pas, parce que c'est pas parce qu'on est, ça se voit pas en extérieur qu'on n'est pas handicapé. Une maladie génétique, ça se voit pas forcément et ils sont pas mal. Voilà. Alors, patrons et salariés sont également 56% à penser que cette loi donc de 2005 n'est pas respectée par les entreprises, tout en estimant que la situation des personnes handicapées par rapport à l'emploi s'est améliorée au cours des 3 dernières années, tout comme leurs conditions de travail. C'est très important. Et donc, un dernier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, 2 entreprises sur 10 ne remplissent pas leurs obligations d'emploi de personnel handicapé. Voilà le chiffre que je t'avais parlé. Je répète que toute entreprise de 20 salariés doit employer combien de pourcentage d'handicapés? Je crois que c'est 6%. C'est 6%, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, ça fait pas beaucoup. C'est 6%. Mais 6% sur 20 salariés. Sur 20 salariés, ça fait... C'est 20 salariés. C'est pas beaucoup. Ça fait combien sur 20 salariés? Mais tu réfléchis, ça fait 3 personnes handicapées. Oui, ça doit faire à peu près ça. Si, 3, oui. Voire 4 handicapés. Ah non, parce que là, ça rentre à 5. Oui, c'est ça. Ça doit être ça, à peu près. Donc il y a quand même 1500 entreprises en France. Écoutez bien ce chiffre aussi qui est très important. 1500 entreprises en France à être pénalisées à hauteur de 1500 fois le SMIC par bénéficiaire non employé. Ça fait mal, hein.
Ce qui représente. T'imagines, on parle que des personnes handicapées. Ce qui représente en fait une surcontribution de 22 millions d'euros par an. Hein? 22 millions. Combien? 22 millions par an. Voilà, donc c'est un chiffre. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te disais, que les entreprises préfèrent payer des amendes que de moderniser leurs entreprises pour accueillir des personnes handicapées. C'est pour ça que j'attendais un petit peu le moment pour que tu puisses en parler, parce qu'à chaque fois vous brûlez un peu les étapes, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Qui vont pas toujours très bien financièrement, économique. Mmh. Économiquement, elles paieront pas forcément l'amende. On va pas mettre une amende à une entreprise au risque qu'elle licencie des gens. Mmh. Ah bah, t'apprendras que du moment qu'ils ont été condamnés à payer une amende parce qu'ils ont pas employé au bout de 3 mois, ils peuvent demander la fermeture carrément de l'entreprise. Oui, mais s'il y a 100 salariés, on peut mettre 100 salariés dehors. Ah ben oui, mais bon, ça fait voilà. Mais si les patrons d'entreprise étaient plus réglo avec les administrations et tous les trucs, voilà. Oui, je pense qu'administrativement, ils doivent s'en sortir un peu mieux. Oui. Ça dépend, mais ça, c'est rentré dans un détail qui n'est pas forcément. Donc voilà, maintenant vous avez le chiffre, ça fait réfléchir ça aussi. Mais qu'est-ce qui explique 22 millions par an. Et qu'est-ce qui explique que les entrepreneurs. Vous avez vu, vous avez compris que en fait déjà. 22 millions, c'est toutes les entreprises en fait. C'est par entreprise. C'est par entreprise. Hein. Si c'est par entreprise, alors en tout cas, les noms d'entreprises, on va arriver sur les. Ouh bah, le déficit de la France. Tu multiplies parmi 500 entreprises. Et puis, voilà, la moitié. Le déficit de la France, c'est ça. D'accord. Ça fait 30 milliards d'euros. Donc voilà. Donc ouais. Et là, nous rentrons dans quel domaine, là, dans quel sujet. Donc ce que je viens de vous dire, dans la discrimination. Voilà. Ouais. On y revient petit à petit. Donc d'une part, avant de revenir vite fait sur la discrimination exacte liée au handicap, rappelons que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la RQTH, est délivrée pour de nombreuses maladies et limitations, y compris pour des personnes ayant déjà le statut de fonctionnaire. Mmh. Les personnes souhaitant obtenir la RQTH sont invitées à contacter donc la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. À l'époque, c'était là. Avant la MDPH, ça s'appelait comment ? La Cotorep. Pour ceux qui emploient encore le mot Cotorep, ça n'existe plus Cotorep, c'est la MDPH aujourd'hui. On emploie beaucoup le mot Cotorep. D'ailleurs, j'ai ma sœur Christoline, moi, elle emploie toujours la Cotorep. C'est pas Cotorep, mais bon. Bon, il y a certains qui disent toujours l'ancien. Donc c'est la MDPH aujourd'hui. Donc par contre votre MDPH de votre département, pas la MDPH du voisin. Hein. Ensuite, celle-ci fournira toutes les informations utiles et les formulaires nécessaires à remplir. Donc il va falloir en plus que vous voyez un médecin pour l'RQTH. La MDPH peut également déterminer le taux d'incapacité et délivrer une carte d'invalidité. Alors la carte d'invalidité, c'est pour ceux qui ont plus de 80%. Ouais. C'est très important. C'est pas 50 tout ça. La carte d'invalidité, c'est uniquement à 80%. Par contre, vous pouvez avoir une carte de priorité au niveau des transports tout ça à partir de 50% à condition que votre incapacité soit assez lourde. Voilà. Un délai de plusieurs mois est souvent nécessaire, donc entre 4 et 6 mois en général. Des fois c'est en retard quand il y a plusieurs dossiers, mais en général c'est entre 4 et 6 mois. Donc il est vivement aussi conseillé de ne pas attendre d'avoir besoin de ces documents pour les demander. L'éventuelle prise en charge ultérieure en sera ainsi facilitée. Ça c'est le premier point. Ensuite, il faut déclarer votre situation de handicap à votre employeur. Très important. La déclaration de travailleur handicapé doit toujours relever d'une démarche volontaire de l'agent, donc c'est-à-dire de l'employé. Mmh. Les personnes ayant la qualité de BOE, alors je l'ai dit tout à l'heure, peuvent se déclarer au moment de la campagne annuelle de recensement ou à tout moment auprès du correspondant handicap de l'académie. Cet interlocuteur leur assure une totale confidentialité des échanges. Afin que la compensation du handicap puisse se mettre en place de façon optimale, il est important que la personne BOE déclare son handicap le plus tôt possible. C'est très important. Oui. De fait, une déclaration précoce permet d'anticiper les besoins et de permettre en place les aménagements nécessaires, on en a parlé tout à l'heure, ou le processus de reconversion. C'est à partir de ce signalement que pourra être définie la solution la mieux adaptée à la situation de l'agent pour le maintenir en position d'activité.
J'ai des chiffres, alors écoutez bien ces chiffres. 70% des personnes handicapées actuellement en poste n'étaient pas en solution de handicap au moment de leur recrutement. Ça par contre c'est pas normal. Déjà d'une. Deux tiers des salariés se disent plutôt ou tout à fait préparés à accueillir une personne handicapée dans leur service. Or c'est faux. Mais ça fait quand même un tiers qui sont pas vraiment favorables, quoi. Ça fait beaucoup, je trouve. Non, d'autres... mais c'est faux. Mais si, c'est vrai, mais je peux dire qu'un tiers, c'est beaucoup qui refusent. Mmh. Moi, c'est pour ça que je trouve ça beaucoup. C'est pour ça que c'est abusé, c'est pour ça que... 29%, c'est... oui. C'est une discrimination, c'est de la discrimination. Pour les un tiers, oui, bien sûr. Pour les un tiers qui... c'est ça, en fait. Pour les un tiers qui sont pas prêts, oui. Donc c'est une discrimination. C'est pareil pour tout le monde. 29% des Français ont changé de regard sur le handicap de manière positive entre 2008 et 2011, on l'a dit tout à l'heure. Et pourtant, la discrimination liée au handicap existe toujours. Mmh. Certes, moins qu'il y a 5 ans, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 5 ans, en 2010, la discrimination liée au handicap était le deuxième critère de discrimination. Mmh. C'était le deuxième. Aujourd'hui, c'est le sixième, en 2014. Donc, ça veut dire que la discrimination liée au handicap a régressé. Ouais, mais elle existe toujours, parce qu'elle est toujours moins fréquente. Elle est peut-être moins fréquente, mais elle est toujours là. Elle est présente, quoi. Des chiffres récents en 2014. En France, sur les 5 695 700 demandeurs d'emploi déclarés en mai 2014, 404 000 sont des travailleurs handicapés. Et ça, ce sont des chiffres récents que je vous dis. Mmh. Particulièrement touchés par le chômage, 21% des personnes possédant la reconnaissance du statut travailleur handicapé sont sans emploi. Mmh. C'est énorme. 74% des travailleurs handicapés sont soit ouvriers, soit employés, contre 50% de l'ensemble des actifs. Ensuite, depuis février 2005, la loi impose aux sociétés de plus de 20 salariés d'employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6%, d'accord, dans leur effectif total. Pourtant, 22% des entreprises ne respectent pas cette obligation. Une entreprise sur 5 maintenant. C'est des chiffres 2014. Ah, mais ça a abusé. Ça fait 1 sur 5. C'est 2 sur 10, si vous préférez. La moyenne d'emploi des travailleurs handicapés est de 3,1% dans le secteur privé et de 4% dans le secteur public. Ce qui est loin des 6% obligatoires. Hein. Mmh. Il faut bien le préciser. Du côté des salaires, plusieurs rémunérations s'appliquent. Dans les entreprises ordinaires, égalité de salaire pour le travailleur handicapé. Ah bah oui. D'accord. Par contre, dans les entreprises adaptées, rémunération mensuelle, nous pouvons être inférieurs au SMIC. Mmh. D'accord. En ESAT, alors le ESAT, c'est dans les... Dans les SAT, oui. Exactement. Donc selon la productivité du salarié, celui-ci reçoit une rémunération d'un montant compris entre 55% et 110% du SMIC. C'est très équitable tout ça. C'est pas terrible. Alors voilà, donc pour moi, les discriminations 2014, je les ai sur moi. Donc le handicap, alors je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et le 12e. 12e critère de discrimination cette année. C'est très faible, c'est que ça concerne uniquement 5% des personnes concernées. Mmh. Est-ce que vous savez, et cette année, là je change un peu de sujet, est-ce que d'après vous, quel est le premier critère de discrimination 2014? Est-ce que vous le savez? Ça va vous surprendre. Hein. Ça va vous surprendre quand je vais vous le dire. C'est pas la Pour les femmes. Alors non, les femmes, c'est en troisième position avec 21%. C'est pas l'homophobie, je pense. Ah non plus. Alors non, l'orientation sexuelle, ça concerne 1%. C'est tout. 1%. Ça doit être le racisme. Non plus. L'ethnie est quatrième. Quatrième avec 17%. Ah, j'arrive pas. Ça va vous surprendre, c'est l'âge. L'âge concerne 32% des discriminations 2014. Je les ai dans l'ordre, je vais vous dire, c'est un petit, je devais vous le dire parce que c'est quelque chose pour moi qui m'a surpris. L'âge est en première position avec 32%. Le sexe est en deuxième position avec 22%. La grossesse avec 21% est en troisième position. L'origine ethnique est à 17% en quatrième position. La situation familiale, ça aussi c'est une surprise. La situation familiale concerne 14% quand même. Hein. C'est quand même impressionnant. Mmh. L'apparence physique, 13%. La nationalité, 13%. L'état de santé, 12%. Les activités syndicales, 11%. Alors ça par contre, je me demande ce que ça fout là. Les opinions politiques, 7%. Les convictions religieuses 6%, le handicap 5%. Donc c'est loin derrière, mais voilà. Ouais, mais bon, voilà, c'est pas pour ça qu'il y en a plus. Non, mais il y en a, mais le problème,
Le problème, c'est que c'est ça, quoi. Ah, attendez, j'ai qui T'as un appel. Oui, mais alors, faut pas, il faut pas que. C'est qui? C'est notre cher ami Max qui veut s'ajouter dessus, c'est ça? Alors, je vais l'ajouter. Comme ça, moi, je pense que c'était lui qui voulait nous rejoindre. Donc, voilà. C'est une surprise, hein, quand même, pour les chiffres. Hein, mais bon. L'âge, en première position des discriminations. Oui. Alors, il y a un retour, ça serait possible de l'enlever. Alors, je ne peux pas, je suis désolé. Hein, tous les bruitages derrière, je ne peux pas. Je suis désolé, ça casse un petit peu l'énergie. Non, mais c'est pour ça que je demande à ce que le retour y soit enlevé. Voilà, je veux quelque chose de clean dans les retours des micros. Merci. Donc, la raison pour laquelle le chômage touche les personnes handicapées est principalement économique. D'accord, décidément, il y a toujours du bruit. Le chômage donc touche les personnes handicapées et donc c'est principalement économique parce que recruter à son coût et embaucher des travailleurs handicapés nécessite un investissement. De plus, ces derniers au chômage depuis plus longtemps sont moins qualifiés, d'où une inéquation entre l'offre et la demande. Par ailleurs, la France n'est pas connue pour faciliter la vie aux personnes handicapées. Un effet sociétal est également à prendre en compte. Les discriminations à raison du handicap peuvent survenir dans différents domaines de la vie, donc en matière des transports, de logement, mais aussi aux accès aux loisirs. Mmh. Ça, c'est très important. Mais c'est dans le domaine de l'emploi qu'elles sont malheureusement les plus fréquentes. Au niveau européen, la discrimination... Alors, je rappelle, au niveau des lois, la discrimination est sanctionnée et définie par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc la CEDH, qui dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction reconnue. Sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Concernant la France, en France, les propos discriminatoires constituent des délits et sont punis par la loi par l'article 225-1 du Code pénal qui dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, leur sexe, leur situation, alors je suis obligé de toutes ces citer parce que c'est la loi, leur situation de famille, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur opinion politique, leur activité syndicale, leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. C'est la loi en France. Je suis obligé de le dire en entier, c'est un peu compliqué, mais c'est tout à fait ça. La discrimination relative à un handicap est lourdement sanctionnée. Ouais. L'article 225-2 du Code pénal dispose que la discrimination définie, donc sur celui que je viens de vous dire, le 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de combien d'après vous? Combien? C'est 2 ans. C'est pas 2 ans. C'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Concernant l'emploi, la loi garantit l'égalité de traitement des travailleurs handicapés dans le domaine de l'accès à l'emploi. Tout acte venant à l'encontre de ce principe expose son auteur à des sanctions. Le refus d'accès à un emploi ou à une formation, aussi le licenciement fondé sur le handicap ou les comportements injurieux portant sur le handicap sont considérés comme discriminatoires. Les employeurs sont ainsi tenus de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leurs qualifications ou de le conserver grâce à des aménagements de poste. Une personne différente, eux, ça dérange, ça gêne, ça pour eux, pour l'entreprise, ça freine l'entreprise quelque part pour ça eux. Ça freine l'entreprise, c'est un petit peu leur préjugé à eux. Quoi. Mmh. Et moi, personnellement, et ça, il faut bien répéter que d'abord, la loi exige que 6% de voilà, qu'une entreprise de plus de 20 salariés et plus, et 6% de leurs salariés qui soient handicapés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un handicapé, c'est pas un incompétent et c'est pas non plus un moins que rien qui ne sait rien faire. Au contraire, il sait beaucoup faire de choses. Il a beaucoup plus de compétences, mais que même intellectuelles, qu'on ne l'imagine, quoi. C'est phénoménal, la ressource qu'ils ont, c'est... Donc déjà, il faut arrêter de leur mettre ces préjugés, de leur mettre toutes ces... de les cataloguer quelque part en tant que personne, on va dire... Inintéressante. Oui, je ne sais pas si on peut employer le mot inintéressant, je dirais plutôt le mot...
sous catégorie quelque part, on va dire ça comme ça, mmh. qui sont inférieurs, ils sont pas inférieurs en plus, ils sont au même niveau que nous. Ils sont peut-être des fois plus supérieurs que nous. Restons en termes d'égalité, on a autant d'expérience les uns les autres et autant d'intelligence les uns les autres. C'est pas plus l'un que l'autre. Moi, je pense qu'il faut rester en termes d'égalité là-dessus parce que c'est très important. Ça, c'est le premier point. Maintenant, au niveau de la société, faut arrêter aussi vos regards de travers et vos jugements de travers. Parce que là aussi, même chose, les handicapés sont d'une part, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes et des femmes, oui. comme tout le monde. Ils sont nés comme tout le monde en tant que citoyens et au même titre qu'au droit de l'homme, nés libres et égaux en droit et en dignité. Article 1 des droits de l'homme, ça c'est très important. Mmh. C'est pas parce qu'ils sont différents qu'il faut les traiter différemment. C'est ça qu'il faut se dire. Ils sont peut-être différents de nous, mais on n'a pas à les traiter et encore moins les juger parce qu'ils sont différents. Ça c'est très important. Et au contraire, vous apprenez beaucoup de choses aussi envers les personnes handicapées que vous le pensez. Mmh. On apprend beaucoup de choses avec les personnes handicapées. Et ça je tiens à le dire aussi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt. C'est fini.